innover, entreprendre ensemble pour la relance. Voilà le thème de cette 29e édition de la cérémonie des 91 d'or. Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver. L'année dernière, nous avions relevé le défi, mais c'était en visio. Cette année, nous relevons le défi, mais ça va être un masque que nous portons tous. Et je vous vois, et je vous dis bravo, et je vous explique tout de suite comment cela va se passer. Nous allons bien sûr appeler les lauréats, les partenaires qui vont remettre les trophées. Au moment où les personnes concernées nous rejoindront sur scène, ils pourront enlever le masque. Un micro personnalisé leur sera donné. Une fois terminé, nous reprendrons le micro. Il y a des lingettes là-bas. Nous avons tout organisé. Bref, nous sommes vigilants. Nous sommes en pleine cinquième vague du Covid. Et faites-nous confiance, le MEDEF Essonne a décidé de faire attention à tout dans les moindres détails. Vous le savez, la sélection des candidats chaque année est une partie de plaisir, parce que ce n'est pas évident d'aller sélectionner les entreprises méritantes de l'Essonne. Il y en a beaucoup. Alors nous demandons au comité d'agglomération, au comité de communes, nous demandons au département via Essonne Développement, à la Fédération française du bâtiment de l'Essonne, à la CCI de l'Essonne, ou encore à différentes associations. Il faut trancher, ce n'est pas toujours très simple. En tout cas, ce soir, vous allez découvrir les 18 lauréats. Mais peut-être le plus grand lauréat d'entre tous, c'est celui qui a l'honneur d'être le président du MEDEF Essonne et que nous allons accueillir. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Henri de Monceau. Henri de Monceau, le président de la commission emploi, formation, insertion, qui va chercher son petit discours. Et alors regardez tout de suite, voilà, Henri enlève son masque, il a son micro personnalisé. Ça fait du bien de se retrouver en présentiel, cher Henri. Merci. Même si c'était bien l'année dernière. Hein. C'était bien l'année dernière, effectivement, en distanciel et en deux dimensions. Frédéric, je vais te dire ce que je dis à tout le monde ici. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux. Heureux que nous puissions nous retrouver autrement que derrière un écran. Heureux de vous voir si nombreuses et si nombreux, quoique, apparemment, aux dernières nouvelles, il y a un accident sur l'autoroute A6. C'est la bonne excuse. Je m'attendais à un troupeau d'éléphants. Donc on dit simplement c'est un accident. Donc, quelques-uns de nos invités et partenaires et sponsors sont un tout petit peu en retard, mais je m'en voudrais de faire attendre ceux qui ont eu l'opportunité d'arriver à temps. Bien, je suis heureux aussi de pouvoir célébrer ce soir avec vous quelques-unes des entreprises les plus remarquables de notre beau département, le MEDEF Essonne, département Terre d'Avenir avec un S, si je ne me trompe pas, pour le slogan. Vous le savez, quand on mène une réunion comme celle-ci, on commence par remercier les hôtes de marque, que les personnes que je ne vais pas citer n'en prennent pas ombrage. Je ne peux malheureusement pas remercier le préfet Éric Jalon qui a eu un impératif de dernière minute, ce que nous regrettons. Je suis absolument certain que Nicolas Lefebvre, que vous connaissez tous et toutes, va nous rejoindre bientôt. Mais je voudrais vous remercier, monsieur Vincent Monnet, monsieur le secrétaire général à la relance, d'avoir pris sur votre temps, et je sais qu'il est précieux, pour venir nous voir ce soir et être notre grand témoin. Bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à vous, madame la sénatrice et voisine Jocelyne Guidez. Merci d'être venue du fond de l'Essonne. On est voisins tous les deux, hein. Saint-Chéron, Val-Saint-Germain, c'est pas loin l'un de l'autre. Messieurs les députés, vous êtes là, Bernard Boulet, non, Francis n'est pas encore arrivé, je pense qu'il doit être aussi sur la 6, Francis Choix. Madame Godichon, vous représentez le directeur de la Banque de France, Dominique Calvet, qui lui-même s'est excusé. Je n'ai pas encore vu arriver, mais alors là, il n'a pas d'excuse, hein, monsieur le colonel commandant de département. Le détachement de gendarmerie de l'Essonne, lui, il devrait avoir les moyens d'arriver tôt. Hein, si il y a la sirène, il y a la sirène. Il y a la sirène et les moteurs devant, donc il va sans doute nous rejoindre. Michel Bourdin, merci de représenter, bonsoir, et merci de représenter ici
François Durouvray, il m'a fait une confidence. Il est en Bresse, si je ne me trompe pas, donc il va sans doute déguster les bons produits de la région. Hein, on sait qu'il y en a de très bons. Les présidents des communautés de communes, je voudrais aussi vous saluer, messieurs Fouché, Boyer et Humbert. Merci d'être venus. Je ne sais pas si vous êtes tous passés à la photo obligatoire, mais je crois que oui, hein, je crois que oui, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, on prend beaucoup en photo. Je me demande encore pourquoi. On se dit, prenons-le en photo pendant qu'il est encore temps, ça doit être ça, non ? Ok. Et on n'est plus piégé par le flash parce qu'on enlève le masque, en plus. Oui, hein. C'est vrai. Patrick Racotosson va nous rejoindre, c'est le président de la CCI. Malheureusement, Yaël Buzetti, qui est la nouvelle présidente de la CMA, n'a pas pu nous rejoindre, mais comme on sait qu'elle est aussi vice-présidente à la CPME, je suis heureux d'accueillir son président, Didier, qui est là et qui a pris sa place sur mon conseil. Fabien Dora, je l'ai eu à l'instant, alors lui, c'est l'excuse de l'accident, donc il va nous rejoindre aussi. Bonjour aux vice-présidentes des communautés d'agglomération, Fatem Benhamed et Rafika Rezghi, excusez-moi. Le monde de l'éducation, il est aussi sur la route, hein, Fabrice Milot et Alain Barraud, je souhaitais bien qu'ils soient là ce soir parce que ce sont les deux directeurs des centres d'apprentissage et comme vous le savez, l'apprentissage est aussi à l'honneur ce soir et on remet un trophée spécial. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des absents, je n'ai pas vu M. Dailly, le proviseur du lycée hôtelier. Il lève le bras, je crois. Oui. Voilà. Bonsoir, monsieur le proviseur. Je ne vous avais pas aperçu. Excusez-moi. Je suis heureux que vous soyez là. Alors, monsieur Dailly, c'est un des trépieds du trophée triple de l'apprentissage que vous connaissez tous, qui sera remis tout à l'heure. Apprenti, maître d'apprentissage et centre de formation. Ça, c'est notre trophée d'apprentissage. Voilà. J'ai promis à Jean-Pierre Mougin, notre premier vice-président, d'être bref. Et vous savez, en termes de promesses, que je ne tiens jamais mes promesses. Hein. Donc, un petit mot sur déjà l'actualité de la CCI. Voilà, alors on va commencer par ça. Effectivement, comme je t'avais passé le contenu de mon discours, tu es parfaitement au courant. Bravo, je te félicite. Je l'ai épluché, est passionnant. Épluché, n'est-ce pas ? Oui, je te le dédicacerai tout à l'heure. On se connaît depuis un bout de temps pour les gens qui ne seraient pas ou qui n'auraient pas compris avec Frédéric. Bien, oui, avant de vous parler du MEDEF, je voudrais vous parler d'une chose effectivement très importante qui s'est déroulée récemment et qui nous touche, nous, entrepreneurs et entrepreneurs, c'est les élections à la CCI. Les organisations patronales, CPME, MEDEF, mais aussi les fédérations, Fédération du bâtiment, Fédération des travaux publics et l'ESCOP, se sont réunis et ont décidé, d'un commun accord, de faire une liste commune pour ces élections à la CCI. Donc ça n'a pas été facile. Ça a été un travail qui nous a pris depuis le mois de février-mars à peu près, Didier, c'est bien ça. On a cherché des candidats, il y avait des candidats spontanés, il y avait des candidats qui avaient envie d'être conduits, et puis d'autres qui avaient, au bout d'une mandature ou deux ou trois, avaient envie de cesser leur activité à la CCI. Donc nous avons rassemblé des troupes pour constituer cette liste commune de 36 collaborateurs élus, 36 membres élus à la CCI. La CCI est représentée, comme vous le savez, subdivisée en trois grandes catégories, le commerce, le service et l'industrie. Donc c'est déjà, il faut trouver des représentants à chacune de ces catégories, lesquelles elles-mêmes sont divisées en deux, plus 10 moins 10 ou plus 20 moins 20 pour l'industrie. Donc autre challenge. Et enfin, dernier obstacle à franchir, si on peut dire. Moi, je suis un cavalier. Hein. Il ne faut pas louper. Hein. Il ne faut pas louper le dernier obstacle quand on a passé tous les précédents. C'est respecter la parité autant que possible. Alors moi, je suis content. J'ai une petite satisfaction égoïste du côté MEDEF parce que nous avons réussi à trouver 18 candidats sur les 36. Ça a été un peu plus difficile dans d'autres catégories. On trouve 11 personnes, des scopes ou des non-inscrits. Et du côté CPME, comme CPME est un peu à cheval aussi entre CMA et CCI, il y a 6 personnes qui t'ont rejoint sur cette liste-là. Et on est très heureux, Didier. Et maintenant, la consigne que j'ai donnée en tout cas, ou le conseil que j'ai donné aux 18 représentants du MEDEF à la CCI, maintenant, oubliez un instant votre étiquette MEDEF,
Et vous rejoignez cette liste commune et le travail doit se faire en commun avec les autres élus. Pas de dissension interne, pas de querelle de clocher. Et je crois que le message a été entendu et le groupe a déjà commencé à travailler. Donc je voudrais délivrer ce message d'optimisme pour la CCI, même si il peut être tempéré cet optimisme par une petite déception en termes de votants et de personnes qui ont voté. C'est un peu comme toutes les élections en ce moment. Les élus qui sont là savent de quoi je parle. Une petite désaffection pour les votes de la part des citoyens, quels qu'ils soient. Ça a touché la CCI comme ça a touché les autres corps de l'État. Voilà, cette déception, on essaie de l'oublier. On pense maintenant au futur et le programme qu'a la CCI, je vous en assure, il est assez chargé. Voilà, dans le futur, il y a la relance, il y a le thème du jour, très important. Effectivement, un des jobs de la CCI, ça va être de travailler sur la relance. Et encore une fois, je vous remercie, monsieur le secrétaire général, parce que vous nous en parlez certainement beaucoup mieux que moi. Mais ça a été quelque chose qui a été un des points focaux de concentration du MEDEF en cette année 2020. Si je fais un zoom, on se dit qu'on a quand même pas mal travaillé pour la relance. Alors comment une association qui n'est pas une entreprise peut travailler pour la relance? C'est simple, c'est de l'écoute, c'est du conseil, c'est de la visibilité, c'est de l'information, c'est de la mise en réseau. C'est ça qu'on a fait pendant toute cette année 2020 avec les entreprises qui se relançaient, avec ou non les aides de l'État, peu importe, mais on n'a pas été sectaire dans ce domaine. On a essayé de les aider toutes et de leur procurer information et mise en réseau autant que possible. On a aussi beaucoup travaillé dans ce domaine-là avec le département et avec Essonne Développement. Je le dis pour toi, Patrick, et on travaille bien et on collabore avec Essonne Développement. On a aussi beaucoup travaillé avec la CCI, je le redirai quand Patrick va arriver tout à l'heure, mais il le sait bien, et notamment dans le groupe de travail qui s'appelle Groupe de Travail Industrie. Donc ça a été notre investissement pour la relance. Et un investissement un peu particulier qu'on a nous au MEDEF, c'est d'identifier et de visibiliser les filières industrielles du département. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Monsieur Nicolas Lefebvre, merci d'être arrivé. Vous avez vaincu les bouchons, les embouteillages, les accidents, etc. Et je suis heureux de collaborer avec vous. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à monsieur Menuet, votre boss. Hein. Donc, je suis très content de lui. Allez-y, hein. Gardez-le surtout. Gardez-le pour nous en Essonne. Ne nous dispersons pas. Effectivement, identifier les filières, c'était un point important pour nous. Je vais en citer quelques-unes. C'est la filière de l'électronique qui commence très très en amont avec les gens qui font des masques pour graver les puces, avec les gens qui gravent les puces. Donc je viens de citer Topan et Ixfa. Et puis ceux qui intègrent les puces, des sociétés comme Micronixt, comme Ypsilon Network, qui font des cartes et des éléments finis ou semi-finis. Et puis des gens qui les installent. Et puis des entreprises qui en font la maintenance et l'entretien, et puis bien sûr aussi en fin de course les utilisateurs de ces produits-là. Donc cette filière-là, elle existe en Essonne. Il y en a une autre qui est la construction, et la construction en métallurgie. Alors de nouveau, on peut partir de très amont et parler des forgerons de Méréville, que tout le monde connaît en Essonne, une des dernières forges de l'Île-de-France. Et tout ça, ça va, si on décrit de l'amont vers l'aval, vers des entreprises qui font du dépôt de couches minces sur des matériaux particuliers, et des gens qui font je pense à une société qui s'appelle GGK Industries, ou Metal Addictive Technology, qui en fait, au lieu de faire de l'extrusion métallique, font de la compression de métaux, et de métaux très 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 résistants, à partir de poudre métallique. Donc ça permet de gagner une quantité de métal excessivement importante. Alors je ne vais pas trop entrer dans le détail, parce que technicien... C'est intéressant, c'est détaillé. L'une des finalités de tout ça, Henri, c'est l'emploi? Alors l'une des finalités, effectivement, sautons vite à la conclusion, j'ai une autre préoccupation, un autre dada et un autre toc, c'est d'identifier, de visibiliser les start-up. Et on en a, nous, identifié quelques-unes, on les surveille. Je suis en contact très fréquent avec un certain nombre de start-up qui nous semblent prometteuses pour l'avenir, et dans le domaine de la biotech en particulier. Je termine pour la relance et pour les entreprises. C'est ça, tu as tout à fait raison. La finalité, c'est de résorber le problème d'emploi que nous avons en Essonne. On a la chance d'avoir un département qui a un taux de chômage qui est un des plus faibles de l'Île-de-France. Ça ne suffit pas. On sait qu'il y a des questions, il y a des problèmes qui se posent dans les entreprises.
qui peuvent être résumées de cette façon-là. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors, et beaucoup, des entrepreneurs voudraient bien que ces gens viennent dedans, mais ils ne trouvent pas dehors les gens qui conviennent à ce dont ils ont besoin dedans. Autrement dit, hein, malgré le taux de chômage, il y a une offre et des propositions de job, d'emploi, qui sont importantes et qui sont malheureusement pas très, très bien pourvues. Donc on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Nous, ce qu'on a fait au MEDEF, c'est aussi un peu particulier. D'abord en signant des accords avec FAS, hein, que vous connaissez, c'est la Fédération Injure contre l'exclusion. Donc beaucoup de travail avec cette fédération pour réintégrer dans l'emploi des personnes qui en sont un peu éloignées. C'est la fameuse ni job, ni stage, ni emploi, voire ni formation. On peut aligner les ni comme on veut. Et donc on fait un travail important et on n'est pas les seuls parce que toi, Didier, avec FAS, tu as le même partenariat. Et on regroupe les entreprises et on les incite effectivement à participer, nos entreprises et nos adhérents, à ces actions de face. Une autre action importante qu'on a menée dans le domaine de l'emploi, c'est signé, moi j'ai co-signé avec Augustin de Romanet, que vous connaissez tous hein, et toutes, une convention qui vise à replacer dans l'emploi, et préférablement en Essonne, hein, soyons chauvins, les personnes qui ont été directement impactées par la baisse du trafic aérien dans l'écosystème de la plateforme d'Orly. Donc là, il y a du boulot, je peux vous assurer. Il y a des compétences, et des compétences qu'on veut garder en Essonne. Donc nous, avec ADP, on a décidé d'œuvrer dans ce sens-là et de les replacer dans l'emploi. Voilà ces actions qu'on a faites pour l'emploi. Il y en a bien d'autres. Hein. On travaille beaucoup avec des associations, on travaille beaucoup avec des missions locales. Je ne sais pas si Attaction est là ce soir, mais c'est une association qui gère effectivement des jeunes sans emploi. Alors des jeunes qui sont plutôt du profil scolarisé, mais qui recherchent un stage ou un contrat d'apprentissage. Donc on travaille beaucoup avec eux. Et je vais terminer sur l'emploi par une mission un peu spéciale que nous avons débutée au MEDEF et dont vous verrez les fruits et les résultats en 2022. C'est un programme pour inciter et aider les entreprises à embaucher les personnes qui sont frappées de handicap. Voilà, j'ai à peu près couvert ces points que je voulais couvrir avec toi et Frédéric. La relance, l'emploi spécifique MEDEF, comme vous avez compris, on ne chôme pas au MEDEF. Hein. Et je suis heureux que notre MEDEF ait, merci de me l'avoir dit tout à l'heure, Michel, ça m'a fait plaisir, ait pu regagner cette aura qu'il a eue dans le passé et peut-être un peu perdue pour des raisons diverses. Je voudrais remercier aussi nos adhérents, parce que j'ai fait un petit slogan, grâce à vous, nos adhérents, nos nouveaux adhérents, nous allons pouvoir développer de nouveaux services, parce que vous êtes de nombreux à nous rejoindre. Et grâce à vous, nos adhérents, nos nouveaux adhérents, des personnes nous ont rejoints effectivement cette année. Alors je parlais des adhérents qui nous ont rejoints, là c'est des personnes qui nous ont rejoints en interne. Nous avons embauché deux personnes. C'est de l'argent, mais je vais vous dire quelque chose qui restera entre nous. L'objectif du MEDEF en Essonne n'est pas de dégager du résultat. Nous sommes une association. Notre objectif, c'est de rester à l'équilibre et de dépenser le plus d'argent possible pour vous, à votre service, les entreprises ici. Bonsoir, Patrick. Je suis heureux que tu sois sorti des bouchons, monsieur Racotosson. Vous êtes pratiquement passé inaperçu, Henri sait bien faire ça. Pratiquement, oui, oui. Non, mais tu ne m'as pas échappé, je suis heureux que tu aies pu nous rejoindre, Patrick, nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc grâce à vous, nos adhérents, nos nouveaux adhérents, le MEDEF is well and alive and living in every. Et je voudrais vous en remercier. Thank you. Je termine là-dessus. Je termine, oui. Non, je n'attendais pas que vous applaudisse. Hein. Et maintenant, je l'ai déjà dit, ma conclusion, c'est celle-là. J'ai déjà dit ce soir, c'est la fête de l'entreprise. Hein. Donc, que la fête commence. Et pour commencer la fête, je vais vous inviter, M. Menuet, à venir nous rejoindre. Et je vais vous laisser la place, en fait. Alors, en plus, tu m'as volé mon lancement. C'est terrible. Alors, il y a deux choses. Un, déjà, parce que c'est quand même une prouesse, donc je vous demande d'applaudir de nouveau, Henri de Monceau. Cher Président, alors, nous sommes dans la cinquième vague. Je vais donc vous demander de vous déplacer. Je vais demander à l'une de nos deux hôtesses, Elisa et Inès, que je vous demande d'applaudir ce soir, qui seront au micro, cher Henri. Voilà. Changement de micro. Le micro a été désinfecté. Et donc, puisque nous parlions de cette crise sanitaire, il faut se relancer. Le 3 septembre 2020, l'État lance un plan de relance de 100 milliards d'euros pour vous en parler, pour savoir
De quelle manière vous allez pouvoir en bénéficier? Je vous demande d'applaudir Vincent Menuet, qui est donc le secrétaire général chargé du plan de la relance. C'est à vous, monsieur Menuet. Merci beaucoup, merci à tous. Déjà, je souhaite vous dire que je suis très heureux d'être présent aujourd'hui avec vous en Essonne, parce que la dernière fois que je suis venu dans ce beau département de l'Essonne, c'était le 2 juillet, donc c'était il y a exactement 5 mois, et c'était en compagnie du Premier ministre, donc Jean Castex, et nous avions visité X-Fab et Micronique, donc deux très belles entreprises de l'Essonne, donc l'une qui travaille sur l'électronique, l'autre les semi-conducteurs, vous les connaissez évidemment sûrement très bien. Je suis très heureux d'être là, je remercie le président Edmond Monceau de m'avoir permis d'être présent aujourd'hui avec vous pour vous parler un peu de France Relance. Je vais essayer d'être le plus court possible, le plus concis possible, ça permettra de peut-être récupérer un peu de par rapport au conducteur et au temps initial de la cérémonie, pour vous dire quelques mots de France Relance, vous dire un peu où on en est aujourd'hui. Alors France Relance, effectivement, ce grand plan de relance du gouvernement de 100 milliards, c'est un plan qui s'inscrit dans une dynamique et dans un contexte bien précis. C'est évidemment comment on pallie aux difficultés de la crise qui a été générée par le Covid-19. Et en fait, il y a plusieurs temps. Ça arrive, France Relance, avec deux temps précédents qui ont été, dans un premier temps, le temps de la protection. C'était tout ce qui était mis en place avec l'activité partielle, les fonds de solidarité, toutes les mesures pour améliorer la situation de trésorerie des entreprises, pour soutenir les entreprises en difficulté, avec des mesures de garantie, les fameux PGE, qui ont été mises en place de façon très substantielle. L'État a mobilisé, alors c'est pas forcément de la dépense budgétaire, c'est aussi de la garantie, mais à peu près 470 milliards d'euros pour protéger le tissu économique français, ce qui représentait à ce moment-là à peu près 21 points de PIB. Et je salue madame la sénatrice que je n'ai pas saluée tout à l'heure. Donc c'est quand même extrêmement, extrêmement substantiel. Dans un deuxième temps, il a fallu aussi soutenir. Soutenir, c'était soutenir de manière plus prolongée, de manière plus significative, les entreprises des secteurs les plus affectés par cette crise. Alors, vous savez, c'était l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, le bâtiment, les commerces. Et enfin, le troisième temps, il y en a un quatrième, mais j'en parlerai à la fin, c'est le temps de la relance. Et ça, c'est France Relance, c'est septembre 2020, c'est 100 milliards pour relancer l'économie française. Alors pourquoi France Relance, pourquoi 100 milliards? En fait, la crise du Covid-19, c'est avant tout, alors au-delà des aspects évidemment sanitaires, mais dans le monde économique, c'est un choc évidemment extrêmement important, historique, en termes d'offres, sur l'offre, sur l'économie française. Donc le sujet, véritablement pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement, c'était comment on empêche, en termes économiques un peu savants, les effets d'hystérèse, en fait, comment on prévient un affaiblissement potentiellement durable du potentiel de croissance de l'économie française. Ça, c'est quoi? C'est un vieillissement accéléré du capital productif dans vos entreprises, et c'est une détérioration des compétences des salariés éloignés de l'emploi. Et donc l'idée, c'est comment on va essayer d'éviter ces effets délétères. Alors ce plan de relance, il a été conçu, il n'a pas été conçu en chambre uniquement à Bercy, il a été conçu en fait en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, évidemment le MEDEF a été impliqué au niveau national dans son élaboration, et puis ce plan de relance, en fait, il visait à répondre, en fait, il s'inscrit vraiment dans la règle des 3T, ce qu'on appelle les 3T, alors en bon français, c'est Timely, Temporary, Targeted, c'est des règles, on va dire, qui ont été établies par des macroéconomistes pour des plans de relance. Il faut que ce soit timely, c'est-à-dire une réponse directe et rapide à la crise. Il faut que ce soit temporaire. Les mesures de France Relance sont des mesures qui sont majoritairement temporaires et réversibles. Et targeted, c'est vraiment d'aller sur les secteurs qui sont les plus touchés, les secteurs productifs les plus touchés, et les ménages les plus fragiles. Et le sujet, c'était aussi d'aller au plus près des territoires, vraiment de territorialiser le plus possible la relance pour s'assurer qu'elle soit la plus pertinente possible. Et sur à peu près un tiers des décisions d'attribution de crédit, ça recoupe à peu près, donc quand je parle de décisions d'attribution de crédit, vous savez comment ça fonctionne, France Relance, il y a eu des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets, les entreprises ont candidaté, il y a des taux de sélection qui sont généralement assez élevés, de l'ordre de 20 à 25%. Et bien sur ce qui est donc discrétionnaire, où on va choisir d'engager des fonds, à peu près, c'est à peu près 45 milliards sur les 100 milliards, il y a à peu près un tiers de ces crédits qui ont été décidés au niveau local, avec le rôle des préfets, assister des sous-préfets à la relance, mais aussi les antennes régionales des opérateurs, l'ADEME, BPI France, que sais-je.
Tout ça pour dire qu'en fait, depuis l'été 2020, on a fait beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites, puisqu'en fait, l'idée, c'était d'aller le plus vite possible. 100 milliards, c'est extrêmement massif, c'est très significatif. Moi, la feuille de route qui m'a été donnée quand j'ai pris ses responsabilités le 1er avril 2021, donc il y a maintenant 8 mois, quand j'ai rencontré Bruno Le Maire et Jean Castex, auquel je rapporte, ils m'ont dit « il faut aller extrêmement vite ». Il faut montrer des résultats tangibles, il faut produire des résultats pour qu'il y ait un retour rapide de la croissance et un taux de chômage qui revienne à son plus bas niveau possible plus rapidement. Donc il y a des objectifs qui ont été fixés. L'objectif qui m'a été donné, c'est que le gouvernement engage 70 milliards d'euros sur les 100 milliards d'ici à la fin de l'année. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur la bonne trajectoire, et tout ça, c'est pas juste des chiffres pour se dire « super, on a fait 70 milliards », c'est que tout ça doit produire des effets sur le tissu économique, c'est-à-dire c'est de l'argent qui va être injecté auprès des entreprises, auprès des particuliers, auprès des associations, auprès des collectivités locales, pour que ça ait un effet d'entraînement sur l'économie. Donc tout ça est extrêmement concret. On a déjà engagé à peu près 60 milliards à l'heure où je vous parle, et on est sur une trajectoire qui permettra d'engager 70 milliards d'euros à fin d'année. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on est en fait aujourd'hui, on le sait parce qu'on le mesure aussi par rapport à d'autres pays, le pays européen qui déploie le plus rapidement son plan de relance. Et encore une fois, pour produire des effets. Alors, les deux objectifs que j'ai évoqués rapidement tout à l'heure, en fait, qui avaient été fixés au moment de France Relance à l'été 2020, ils sont en fait non seulement en passe d'être atteints, mais en fait, ils sont déjà atteints. L'idée, c'était bien de soutenir la reprise d'activité et les investissements dans un certain nombre de secteurs d'activité. En fait, aujourd'hui, on considère que la France, l'économie française, a retrouvé son niveau d'activité pré-crise au troisième trimestre 2021. Au départ, on s'était dit, si on arrive à retrouver ce niveau d'activité mi-2022, c'était l'objectif initial, ce sera bien. Là, on y est déjà au troisième trimestre 2021. Et on va avoir une croissance économique en fin d'année qui sera de l'ordre de probablement 6,3%. Donc on est bien au-delà de ce qui avait été fixé. Et l'Institut des politiques publiques, qui est un organisme indépendant, a récemment sorti un papier qui disait qu'effectivement, sans intervention du gouvernement, on aurait eu besoin de 5 trimestres supplémentaires pour retrouver ce niveau d'activité. Donc là, l'impact de France Relance, il est évidemment très visible. Le deuxième objectif, c'était de faire baisser le niveau de chômage le plus rapidement possible. La France, au troisième trimestre 2021, en fait, elle a déjà retrouvé un taux d'emploi plus élevé qu'au moment où la crise Covid-19 est arrivée début 2020. Et on est à un niveau de taux d'emploi qui est historiquement au plus haut depuis 1975. Donc là aussi, j'allais dire, on a coché cette case. Et ces résultats, ce n'est pas juste effectivement la vue du gouvernement, mais c'est bien quelque chose qui a été évalué par des comités d'évaluation indépendants, l'un notamment présidé par Benoît Cœuré avec des économistes, mais c'est aussi le FMI et l'OCDE qui placent la France parmi les pays européens qui démontrent un des plus forts rebonds économiques de ces derniers mois. Alors tout ça, j'allais dire, ça s'inscrit aussi dans un continuum avec un certain nombre de décisions politiques qui avaient été prises déjà depuis quelques années. Il y a des réformes structurelles très importantes qui sont là pour appuyer aussi la relance. C'est la baisse de la fiscalité, c'est le renforcement de l'attractivité avec la loi PAC, c'est la réforme du marché du travail, de l'assurance chômage, qui étaient déjà, j'allais dire, un certain nombre de fondations qui ont permis d'accélérer ces efforts de relance. Il y a les mesures d'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il y a la priorité donnée à l'exécution que j'ai évoquée. Effectivement, tout ça est suivi de très près, je rendais compte tous les mois à Bruno Le Maire et au Premier ministre. Alors, en la matière, France Relance a aussi permis, ce qui est très important pour notre tissu économique, de replacer vraiment la France au meilleur niveau possible en termes de compétitivité et d'attractivité. En 2020, ça, vous savez, c'est le baromètre EY qui sort tous les ans, la France, en fait, elle a retrouvé le premier rang européen pour l'accueil des investissements internationaux. Et c'est en particulier le cas en termes d'implantation industrielle. En 2020, la France, elle a attiré plus de projets industriels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunie. Donc c'est un résultat qui est absolument, je pense, en tout cas remarquable, surtout dans ce contexte-là. Alors j'ai évoqué les enjeux de court terme, mais il y a des enjeux évidemment de plus long terme qu'essaye d'adresser, je pense, de manière assez efficace France Relance. En fait, France Relance, c'est 3 piliers, c'est la transition écologique, c'est le renforcement de la compétitivité des entreprises et des territoires, et c'est la cohésion sociale et territoriale.
Il y a un énorme enjeu qui est l'enjeu de la décarbonation de l'économie. On met 30 milliards sur la table pour accélérer la transition écologique. Alors ça prend plusieurs formes. C'est tout ce qui va être la rénovation des bâtiments, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est les particuliers. Alors ça, c'est le dispositif que vous connaissez bien, qui est MaPrimeRénov. Le bâti, en gros, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'était d'aller accélérer auprès des particuliers la capacité à aller rénover les logements des particuliers. Donc on a 650 000 ménages qui ont demandé MaPrimeRénov pour réduire leur facture énergétique. On fait la même chose aussi avec les collectivités locales. Donc on a toute une filière de rénovation énergétique qui s'est massifiée, qui s'est structurée avec France Relance. Alors, il y a aussi des effets de surchauffe sur ce secteur-là qu'on a bien observé, qu'on essaye de maîtriser le mieux possible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est une réalité aujourd'hui. On a aussi une accélération sans précédent de tout ce qui est électrification du parc automobile. Il y a la prime à la conversion, il y a des bonus pour favoriser l'achat de véhicules hybrides, de véhicules électriques. On voit par exemple, et c'est très frappant, hein, sur les 10 premiers mois de l'année 2021, les véhicules électriques et hybrides, c'est 17% des ventes, contre à peine 3% en 2019. Donc il y a une accélération qui est extrêmement significative. La décarbonation, c'est aussi la décarbonation de l'industrie. On a des projets qui sont des projets extrêmement massifs, structurants, avec des entreprises qui émettent du CO2 et sur lesquels on met en place des incitations financières très significatives pour les aider à améliorer et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On a à peu près 140 projets qui sont lancés grâce à France Relance en ce moment. Il y a un autre sujet qui est très important, qui est comment on préserve aussi l'environnement en évitant l'artificialisation des sols. Il y a un dispositif qui marche extrêmement bien, qui a été réabondé plusieurs fois. C'est le programme qui est véritablement un programme historique, qui correspond à des besoins extrêmement importants. Moi, j'ai eu des remontées des préfets, parce que je parle très régulièrement avec l'ensemble des préfets et avec les sous-préfets à la relance, qui nous disaient, en fait, le dispositif sur la réhabilitation des friches, ça marche extrêmement bien, on a des besoins massifs, il faut mettre plus d'argent sur ce sujet. C'est ce qui a été fait, et on est sur quelque chose qui va au-delà de 500 millions d'euros. C'est grâce à France Relance à peu près 4500 terrains de foot qui ne vont pas être artificialisés, qui vont permettre de construire des logements, de préserver aussi, d'éviter l'étalement urbain et de permettre de créer des logements dont les Français ont besoin. On sait quelle est la crise en matière de logement en ce moment. Bon, je passe sur tout ce qui est la modernisation des exploitations agricoles, on fait beaucoup de choses dans ce domaine. Et puis il y a des grands programmes qui ont été lancés, c'est l'hydrogène décarboné, c'est l'avion vert, mais j'en reparlerai, et puis la filière du nucléaire. Il y a un sujet qui est très important aussi, c'est tout ce qui est la compétitivité de l'économie. Ça, vous le savez, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, dans France Relance, il y a aussi une mesure qui est très très forte, qui, pour le coup, elle est pérenne, c'est la baisse des impôts de production. Il y a 10 milliards d'euros par an de baisse des impôts de production qui ont été mis en œuvre à travers France Relance et qui seront évidemment pérennisés. Ça bénéficie à un peu plus de 730 000 entreprises, donc c'est quelque chose qui est évidemment très très massif. France Relance, c'est aussi et beaucoup la reconquête industrielle. Vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président. C'est un sujet qui est évidemment très important pour notre économie. Il faut absolument réindustrialiser. On sait quels a été tous les effets délétères qu'a pu entraîner sur l'économie française une désindustrialisation assez massive qui s'inscrit vraiment dans le temps long. En un an, grâce à France Relance et aux effets de levier qu'on a avec les dispositifs qu'on a mis en place, on a à peu près 14 milliards d'euros d'investissement productif. Et à peu près, sur ces 14 milliards, c'est un tiers des entreprises industrielles qui sont soutenues pour relocaliser ou développer leur activité en France, avec un effort tout particulier sur la décarbonation de leur activité et la digitalisation de leur activité. Il y a un troisième volet qui est très important, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les personnes, ce sont les gens. C'est comment on fait en sorte de développer les compétences et l'emploi. Grâce à France Relance, en fait, il y a un gros dispositif qui s'appelle Un jeune, une solution, que vous connaissez sûrement, qui a été mis en place. Alors ça couvre beaucoup de dispositifs, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait un peu fastidieux, mais on a aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 3 millions de jeunes qui ont bénéficié du plan Un jeune, une solution pour se former, être accompagnés vers l'emploi. Il y a notamment un soutien massif à l'apprentissage qui a été mis en place. Il y a des aides spécifiques qui, d'ailleurs, ont été prolongées jusqu'à l'été 2022. Et grâce à ce dispositif, France Relance, pas seulement un jeune solution pour les plus âgés, on a quasiment 600 000 salariés en activité partielle qui sont rentrés dans des parcours de formation.
On a évidemment une focale qui est bien particulière sur tout ce qui est emploi des jeunes. Le but vraiment du gouvernement, c'est de s'assurer que le chômage des jeunes baisse le plus rapidement possible et qu'on ait des jeunes, populations de jeunes sans emploi et sans formation qui soient le plus bas possible, en tout cas des niveaux inférieurs à leur niveau d'avant-crise. Et donc ça, c'est vraiment tout l'objectif de France Relance. Et on vise vraiment à déployer ces dispositifs en ayant une attention particulière à des territoires potentiellement plus en difficulté, les quartiers prioritaires de la ville, les territoires ultramarins et les territoires ruraux. Bon, sans rentrer dans tous les détails, on a aussi beaucoup de mesures qui sont là pour aider les collectivités locales dans leurs projets d'investissement. Ça va être des rénovations d'établissements scolaires, des constructions de pistes cyclables, des centres médicaux de proximité. Et on a vraiment essayé, avec le soutien extrêmement précieux des sous-préfets à l'Arlance, des préfets de département, des préfets de région, d'avoir vraiment une interaction la plus forte possible avec l'ensemble des parties prenantes dans les territoires pour essayer d'identifier ce qui devait être fait, d'attirer les entreprises vers les bons dispositifs et puis aussi de valoriser le plus possible pour que ça crée un effet d'entraînement. Alors, je vois l'heure qui tourne, donc je serai relativement bref. Peut-être juste un mot rapide pour vous dire aussi que France Relance, je ne sais pas si vous avez remarqué le logo de France Relance, il y a deux drapeaux, il y a un drapeau français puis un drapeau européen. Parce que France Relance, ça a une dimension qui est très profondément européenne. Les 100 milliards, en fait, il y en a 40 milliards qui viennent des fonds européens. Vous savez, ça a été décidé dans le cadre du grand emprunt européen, qui est une décision politique majeure à l'été 2020, où pour la première fois, les États européens, dans leur ensemble, décident d'émettre et puis d'emprunter ensemble pour à peu près 750 milliards d'euros. Et donc, la France va récupérer 40 milliards d'euros. Et donc là, j'ai adressé, d'ailleurs, il y a quelques jours, la première demande de paiement à la Commission. On va aller chercher 7,5 milliards d'euros. On est d'ailleurs le pays qui a le plus rapidement déposé sa première demande de paiement. On est le pays, encore une fois, qui est vraiment en première ligne, le plus rapide pour aller chercher le plus d'argent possible pour aller financer, en fait, se faire rembourser l'argent que l'État a déjà déboursé pour mettre en œuvre toutes ces actions-là. Et ce plan de relance européen, qu'on appelle, le terme est un peu barbare, le plan national de relance et de résilience, il est évidemment complètement aligné avec les objectifs portés par France Relance, évidemment beaucoup sur la décarbonation de l'économie et sur sa digitalisation. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué trois temps. Il y avait protéger, il y avait soutenir, il y avait relancer. Il y a aussi un quatrième temps qui est celui de l'investissement, c'est investir après relancer. Et investir, c'est très important parce que là, on se place dans un temps qui est un peu plus long. Et le président de la République l'a annoncé le 12 octobre, son discours sur France 2030. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin, d'aller au-delà de la relance pour effectivement compenser les pertes d'activité potentielles au moment de la crise sanitaire, mais c'est engager résolument la France sur les secteurs d'activité porteurs de demain qui vont permettre de maintenir la compétitivité, l'avance technologique et économique de la France à l'horizon 2030 et au-delà. Donc c'est 30 milliards, c'est 10 stratégies d'accélération. C'est un horizon à peu près une décennie, voire un petit peu au-delà. Et l'idée, c'est de sortir aussi des objets qui soient des objets visibles, tangibles, qui puissent s'incarner. Alors, je ne vais pas tous vous les lister, mais juste pour vous rappeler deux, trois éléments, c'est les réacteurs nucléaires de petite taille. C'est, par exemple, pour la France devenir leader de l'hydrogène vert. C'est un premier avion bas carbone en 2035. C'est 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques liées au vieillissement. C'est une nouvelle aventure spatiale avec des lanceurs réutilisables, des micro-constellations. Bref, je ne vais pas tous les faire, mais on a des objets qui sont des objets qui vont permettre de tirer des filières entières. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont en cohérence très forte avec France Relance, la décarbonation, l'hydrogène vert, la décarbonation de l'industrie, mais aussi du parc automobile. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il va y avoir des innovations, un peu plus de rupture. Et l'idée de France 2030, c'est vraiment qu'on mette de l'argent sur quelques filières bien identifiées et qu'on soit vraiment dans une approche écosystémique, si je puis parler ainsi. L'idée, c'est pas nécessairement de travailler uniquement avec les grands donneurs d'ordre, avec les grands groupes, mais c'est bien d'aller chercher les PME, les ETI d'ailleurs, PME, ETI, qui sont des bénéficiaires en
très grande majorité de France Relance. Hein. France Relance, c'est essentiellement les TPE, les PME, les ETI, je permets de le mentionner. Et c'est vraiment aller sur une réflexion industrielle au niveau de la filière pour avoir vraiment un continuum qui va de l'innovation de rupture jusqu'à la pérennisation de la chaîne de production, en passant par la R&D, la conception, la sécurisation des approvisionnements. Et là, vraiment, l'idée, c'est plus d'avoir un investissement public qui va se substituer ou qui est susceptible d'évincer l'initiative privée et l'investissement privé, mais c'est vraiment de le voir comme un effet de levier sur l'investissement privé, et encore une fois, avec des filières qui doivent vraiment être à la manœuvre, être vraiment très actives dans la façon dont le plan va être mis en œuvre et dont les investissements vont être décidés. Et d'ailleurs, c'est toutes les discussions en ce moment sur la mise en place de la gouvernance de France Relance. Alors peut-être pour conclure de quelques mots, j'espère ne pas avoir été trop long, vraiment le succès de France Relance, en fait, c'est avant tout le succès des Français, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est le succès très concrètement des 10 400 entreprises industrielles lauréates. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 80% de TPE et de PME. C'est les 1,2 million de ménages qui ont déposé une demande sur MaPrimeRénov' ou qui ont opté pour un véhicule moins polluant, hybride ou électrique. C'est les 3 millions de jeunes qui ont participé et qui sont rentrés dans une logique de formation grâce à un jeune et une solution. Et puis, c'est encore une fois, c'est tout l'écosystème. C'est le MEDEF, c'est les parlementaires, c'est les associations d'élus, les organisations patronales, syndicales, les fédérations professionnelles, les services de l'État grâce aux préfets, aux sous-préfets, les opérateurs de l'État, BPI France, la Banque des territoires qui sont très impliqués. Tous étaient mobilisés pour faire connaître les dispositifs, faciliter leur mise en œuvre et puis accompagner les acteurs économiques. Et puis en fait, fondamentalement, le succès de France Relance, moi je le pense vraiment, et je pense que le gouvernement le voit aussi comme ça, c'est vraiment le vôtre aussi, c'est vous, dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, parce que vous avez, dans cette période très difficile, vous avez tenu la barre, vous avez continué d'investir, vous avez continué à développer vos projets, à convaincre vos clients, vous avez présenté aussi des projets dans le cadre de France Relance, encore une fois dans un univers compétitif. Ce n'était pas des systèmes de guichet la plupart du temps, c'était bien des systèmes sur lesquels voilà, c'était que le meilleur gagne. Et vous avez pu bénéficier de ce support d'argent public. Vous avez aussi continué à recruter, à former, et donc vous avez continué à maintenir la richesse de notre tissu productif. Donc voilà, je conclue là mes propos. Je vous redis combien je suis vraiment très heureux d'être avec vous, entrepreneurs, dirigeants, vous qui êtes vraiment le cœur battant de l'économie française et donc de la relance et de l'innovation. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir être là plus longtemps avec vous. J'avais prévu initialement de pouvoir être là pour la remise des prix. Et malheureusement, je suis appelé voilà, à Bercy pour une petite urgence. Donc, je vais être obligé de filer à l'anglaise rapidement. Et je voulais vous dire combien j'étais très heureux de partager ce moment avec vous. Je remercie vraiment Henri de Monceau de m'avoir invité pour pouvoir partager ces quelques éléments et ces quelques idées avec vous. Et vraiment, encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites sur vos territoires. Bravo à vous, entrepreneurs de l'Essonne, et j'espère avoir l'occasion de revenir à nouveau très bientôt. Merci. Vincent Menuet, secrétaire général chargé au plan de relance. Merci beaucoup. Bon retour à Bercy. Merci. Voilà pour cette partie information, repère important. Maintenant, nous allons commencer la deuxième partie de cette cérémonie des 91 d'or, la 29e édition, la remise des prix. Le principe est le suivant, nous découvrons chaque lauréat, l'occasion d'un petit film aussi pour la majeure partie de ces lauréats, de découvrir de beaux projets, de belles initiatives au sein même de notre département. Je pense que nous pouvons y aller. C'est parti pour le prix de la start-up innovante de l'année. Plus on est nombreux à réfléchir à un sujet, et plus on se retrouve avec quelque chose d'efficace. Est-ce qu'on n'a pas les compétences autour de nous, ensemble, pour réussir à créer l'imprimante qui nous conviendrait, en fait ? Et c'est de là qu'est venue l'idée de développer cette machine. Cosmix, c'est une machine. Là où on a vraiment mis l'accent, ça a été sur la capacité à cette machine d'avoir de la répétabilité, de la connectivité. C'est le fait de se dire que sur une machine 1, on va sortir la même pièce au même code que la machine 1000. À mon sens, c'est l'avenir de l'impression 3D en tout cas. C'est avant tout une belle récompense pour l'effort collectif qui a été fait, que
que ce soit au niveau de la technique, au niveau du software, au niveau de l'administratif, on a réussi à porter un projet, ce qui se donne tous les jours, et c'est vraiment un bonheur de pouvoir leur dire que le travail est reconnu en fait. Ça se passe à Épinay-sous-Sénart. Je vous demande d'applaudir Anthony Sedicki, président de VS Project, lauréat de ce prix de la start-up innovante de l'année. Nous allons vous remettre en main propre, et le terme est au propre et au figuré, le trophée. Vous allez recevoir votre micro et j'appelle le partenaire. Alors, qui vous remet, on va dire symboliquement, du coup, ce trophée, Fatem Ben Ahmed, vice-présidente chargée de l'emploi et de l'insertion professionnelle de la communauté d'agglomération Val-d'Hyères-Val-de-Seine. Merci, madame Ben Ahmed, d'être avec nous. Là aussi, votre micro. À partir de maintenant, vous pouvez retirer votre masque. C'est autorisé, c'est permis et c'est sécurisé. Un mot sur le brillant lauréat ? Ah bah bien sûr. Alors tout d'abord, je suis vraiment ravie de pouvoir lui remettre ce prix. Il faut savoir qu'Anthony Sedicki, avant d'être un entrepreneur, c'est avant tout un homme bienveillant, un homme de partage, solidaire, qui a su créer une dynamique au moment le plus fort de la première crise sanitaire que nous avons vécue, puisqu'il a été d'ailleurs récemment nommé prodige de la République. Pourquoi a-t-il été nommé prodige de la République ? C'est parce que dès le début, il a énormément souffert de cette pénurie de masques et il a immédiatement créé, grâce à des millions de makers et d'entreprises partenaires, des millions de visières solidaires qu'il a immédiatement emmenées dans les hôpitaux, enfin fait livrer dans les hôpitaux, aux filières de santé. Pour les personnels soignants. Tout à fait, pour les personnels soignants. Donc déjà, une première image de l'homme solidaire qu'il est. Spignolien, représentant à la fois donc, la ville d'Épinay-sous-Sénart, mais aussi notre belle agglomération, qui est la communauté d'agglomération du Val-d'Hyères-Val-de-Seine. Donc, plein d'idées, entrepreneur de génie, puisque indépendamment de sa passion pour la 3D, il a créé également, c'est bientôt finalisé, un centre de formation pour les décrocheurs scolaires, que nous avons le plaisir également de co-financer. Ce que je peux dire de plus, c'est bravo au nom des habitants de la communauté d'agglomération, de la communauté d'agglomération que je suis ravie de représenter ce soir. Et puis, je suis vraiment contente de vous remettre ou de te remettre le prix. Oui, oui, on peut utiliser le tutoiement. Je vois la proximité. Alors, elle s'appelle Comix, hein, cette fameuse Cosmix. C-O-S-M-Y-X. C'est ça. C'est le petit bébé. C'est le petit bébé. On va dire qu'elle a été, elle est née en fait du confinement et de ce qu'on a pu voir de la crise. On a été un des rares à continuer à fonctionner, notamment grâce à la 3D. C'est ce qui nous a poussé à développer ce modèle économique et notamment la fabrication distribuée. Donc au-delà de la machine, c'est tout un concept de production qui est repensé avec l'impression 3D pour produire à l'échelle territoriale. Et permettent notamment la répétabilité, ce dont on a bien parlé dans le petit film, pour permettre justement de pallier, et notamment cette fameuse résilience dont on parlait tout à l'heure, de permettre de la conserver, en tout cas de l'optimiser. Sortir plus fort du passage difficile, c'est la résilience. C'est même plus que ça, parce que c'est réellement né de ce passage difficile, et c'est avant tout les hommes, en fait, et les femmes qui nous accompagnent au quotidien, qui ont permis à ce projet, en fait, de voir le jour, parce que je n'ai fait, moi, que donner la direction. Mais ceux qui ont tout produit et qui ont rendu ça possible, c'est les 11 collaborateurs et les nombreux bénévoles également de l'association qui travaillent également à faire à ce que ce projet prenne vie, que je remercie clairement aujourd'hui. C'est très beau, un beau projet, je vous demande de les applaudir tous les deux. Il y a le choix, merci talentueux, merci et Anthony. Le talent. Merci à vous. Le prix donc de la start-up innovante de l'année. Alors, il y avait plusieurs possibilités et nous ne nous sommes pas privés de bénéficier de l'ensemble des talents. Alors voici le deuxième prix, pas dans l'ordre, hein, pas hiérarchique, mais un autre prix de la start-up innovante de l'année. L'accès aux soins visuels et tout particulièrement à l'examen de vue est compliqué.
Et donc, on a souhaité développer une solution intelligente qui permet d'aider le professionnel de santé, qu'il soit ophtalmologiste, opticien, orthoptiste, optométriste, pour pouvoir déléguer cette tâche en toute confiance à des personnes qui peuvent être un peu plus juniors et qui va permettre de prendre en charge beaucoup plus de personnes. Et donc, on fournit à la fin un rapport complet qui permet d'avoir toutes les informations, les conseils, les warnings pour le patient et donc qui permet au praticien de prendre la meilleure décision pour son patient. On avait conscience dès le départ que la dimension internationale du projet allait être forte et qu'il fallait pouvoir se préparer à ça. Et d'ailleurs, on a préparé toute l'application pour pouvoir la traduire dans toutes les langues. Mais globalement, le principe, il est toujours le même. Et donc, nous, on s'intègre dans ce parcours patient. Ça se passe en Essonne, à Marcoussis. Et j'appelle Laure Pichereau, présidente de CIVIU, qui vient recevoir le trophée. S'il vous plaît, merci beaucoup. Et j'appelle pour le partenaire, Rafika Rezgi, vice-présidente du développement économique de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Bonsoir, madame. À partir de ce moment-là, vous pouvez enlever votre masque. Même chose, l'hommage du partenaire. Un choix évident, on va dire. D'abord, je voudrais dire le plaisir pour moi, en tant que représentante de la communauté Paris-Saclay, d'être parmi vous ce soir pour honorer les entreprises dynamiques et innovantes du territoire essonien. Je voudrais également adresser un message de sympathie de la part du président Grégoire de la Série, le président de la communauté Paris-Saclay, qui ne pouvait être là ce soir, mais qui aurait été particulièrement fier de pouvoir remettre personnellement ce trophée alors pour ce beau projet porté par CIVIU. La communauté Paris-Saclay, vous le savez, c'est un territoire qui se distingue particulièrement par son innovation, la richesse de ses entreprises, de ses établissements universitaires et académiques. Et je crois que CIVIU est un parfait exemple, un parfait modèle de ce que l'innovation apporte finalement au progrès humain. Je ne vais pas m'improviser, moi, dans le développement de ces activités. Je crois que Laure le ferait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, je crois qu'elle symbolise très bien ce que veut l'ambition que porte le territoire Paris-Saclay. Et donc, je l'en félicite, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de CIVIU. Merci beaucoup. Laure, vous portez des lunettes. Vous connaissez notre dur combat de pouvoir avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Ça y est, nous sommes sauvés. Bah, écoutez, en tous les cas, on y travaille tous les jours et activement. Mais c'est vrai que c'est un problème majeur et c'est un problème mondial. Donc, il n'arrive pas qu'en France, faut le savoir. Et c'est quand même malgré tout difficile. Et en France, ça l'est encore plus, je crois, de pouvoir avoir accès tout simplement à une bonne prescription lunette de façon simple et rapide. Et ça a été vraiment le projet de départ. J'ai commencé à y réfléchir en 2013, voilà, depuis ma cuisine à Marcoussis. Donc, vous voyez, ça a démarré. Ça a été voilà, mes premiers pas. Et puis, on a créé l'entreprise en 2016. Et d'ailleurs, je tiens à remercier ici, alors je ne pense pas qu'il soit présent, mais le maire de Marcoussis, voilà, qui m'a soutenue dès le démarrage. Au début, c'était vraiment, on était deux cofondateurs. Et le maire nous a aidés sur les réseaux sociaux, nous a aidés à gagner des prix, nous a soutenus dans tout ce qu'on a fait, nous a suivis de A jusqu'à Z. Et son soutien a été vraiment précieux. Voilà. Donc c'est Monsieur Olivier Thomas et je lui dis un gros merci et je pense à lui. Et donc, juste pour vous dire que voilà, c'est pas un projet qui se comprend aisément parce que c'est assez technique, mais pour vous résumer, on a rendu... C'est une première étape, hein, c'est ça, avant d'aller chez l'ophtalmo. En fait, on a rendu l'examen accessible à tous et pour ça, on a développé une application qui permet de se connecter sur les instruments du cabinet, quel qu'il soit et quelle que soit leur marque. Et une personne, même inexpérimentée, est capable de réaliser un examen de vue comme le ferait un expert,
d'obtenir la meilleure prescription lunette avec un rapport complet à la fin et de pouvoir le faire dans un temps très court. Voilà. Donc c'est de l'intelligence artificielle mêlée avec de la technologie électronique, entre autres, pour pouvoir se connecter aux instruments. Donc quand tout à l'heure vous parliez du tissu électronique dans le 91, je suis très intéressée pour rencontrer ces personnes, parce que ça me... La cérémonie des 91 d'or sert aussi à ça, voilà. Et vous l'avez bien compris. Merci mesdames, merci bravo à toutes les deux, merci nous récupérons beaucoup. Votre micro. Merci encore, et nous allons donc conclure cette partie sur la start-up innovante de l'année, avec là aussi un troisième brillant lauréat que je vous laisse découvrir. J'étais déjà très passionné par l'entraînement et comment on pouvait optimiser en fait son corps en fonction d'un objectif précis. Et on a vu en fait que capter différents paramètres sur la biomécanique, la qualité d'un mouvement, la posture, effectivement, c'est des choses qui sont difficiles à quantifier à l'œil nu. Et ça permet de gagner pas mal de temps pour les professionnels, de gagner en précision et aussi de faire remonter des signaux d'alerte, par exemple chez les sportifs de haut niveau. C'est de pouvoir aider les gens à faire leur mouvement, que ce soit dans le sport ou la santé, de la meilleure manière possible et en toute sécurité. Et en fait, cette start-up est née grâce aussi à ce territoire et à ses acteurs, que ce soit les établissements de recherche, les entreprises innovantes, les incubateurs. Notre lien avec l'Essonne, c'est vraiment un plaisir d'être reconnu sur ce territoire qui nous a tant apporté en fait. C'est ce qu'on appelle avoir du génie. Paul Charton, président de Chiron IT, qui remporte donc ce trophée depuis Évry-Courcouronnes, où il a créé son projet d'ailleurs à l'école, ancien élève de l'Institut Mines Télécom. Le trophée ici et le partenaire Patrick Imbert, président d'Essonne Développement, va venir nous rejoindre. Allez-y, occupez-le. Voilà, comme vous voulez, vous vous répartissez comme vous voulez, messieurs. Pour l'instant, tout se passe bien. Allez, déjà, Patrick Imbert, ça fait rêver. Je me disais, Neymar, avec ça, une fois qu'il s'est blessé, qu'il revient, qu'il fait les tests, on sait s'il peut vraiment ou pas. Exactement. Alors déjà, j'ai beaucoup de plaisir, parce que c'est une belle réussite, un bel exemple, un beau modèle. Et j'en profite pour vous dire que je suis très heureux qu'on puisse enfin se retrouver. L'année dernière, c'était dématérialisé, c'était sympa, mais se retrouver ici, dans le Nord-Essonne, ça fait encore plus plaisir. J'ai aussi une pensée amicale envers tous les élus consulaires qui viennent justement d'être installés, que ce soit à la CCI ou à la CEMA. Et c'était important pour nous de le dire en introduction. Alors, c'est un beau modèle, c'est une belle réussite. Et pour nous, c'est aussi très important, parce que la culture dans l'entrepreneuriat, c'est important pour notre territoire. Venir étudier en Essonne, avoir un diplôme, c'est bien. Mais avoir l'ambition de créer sa propre start-up, c'était vraiment quelque chose de très révolutionnaire et très important. Alors, on s'est connus dans le cadre de la préconfiguration du cluster sport, puisque vous avez été un acteur très actif, très engagé. Et là encore, on voit toutes les applications qui peuvent en découler. Et puis, au-delà du sport, c'est aussi la thématique de la santé pour les EHPAD. Donc, je pense que vous en direz plus que moi. En tout cas, bravo et on a été très fiers d'être à vos côtés. Paul Charton. Merci Patrick Imbert. Un petit mot, alors, pour connaître un petit peu le milieu du sport, il y a les préparateurs physiques qui disent, bon, lui il est bon, lui il n'est pas bon. Bien souvent, c'est parce que celui qui n'est pas bon n'a pas anticipé tous les paramètres. Avec votre projet, ils sont tous devenus des bons préparateurs physiques. Bah écoutez, je vous remercie déjà de m'accueillir et pour la remise de ce prix. En fait, c'est vrai que notre système permet de faire soit via des bilans, soit via l'entraînement, une surveillance de la qualité des gestes pour essayer de détecter les mauvaises postures, les risques de blessures. Et ça va permettre effectivement de s'améliorer en direct. On a aussi des outils pour les préparateurs physiques, effectivement, qui permettent d'optimiser tout l'entraînement pour tirer le meilleur en fait, de chacun de nos mouvements et que nos efforts aillent dans le bon sens. Donc oui, on essaye d'aider les sportifs à performer, mais aussi dans le domaine de la santé, effectivement, parce que voilà... le fait, par exemple, pour les personnes âgées, l'autonomie, c'est des choses qui nous intéressent. Donc, avec le travail musculaire régulier et avec des outils qui permettent de le faciliter, ça peut aussi être un moyen de répondre à ça. Donc, je tiens aussi quand même à remercier
et son développement de nous avoir présenté. Et mes collègues qui m'ont permis aussi de réaliser ça, parce que bon, c'est un projet très technique, mais moi-même, je ne suis pas ingénieur, donc je travaille avec beaucoup d'ingénieurs. Et il y a eu des emplois aussi qui ont été créés ici, donc voilà, je tiens à vous remercier. Étudiant talentueux, chef d'entreprise talentueux, nous avons toute la fierté de l'Essonne. Je vous demande de les applaudir tous les deux. Merci, bravo à vous, Paul Charton. Le prix de l'innovation technologique. Notre job, c'est d'associer la consommation à un usage. Dans l'actualité, aujourd'hui, effectivement, on constate que toutes les énergies sont en tension. Et c'est pour ça que Waters continue de développer ses innovations pour sans cesse s'adapter aux nouveaux modes de consommation et supprimer toutes ces fuites énergétiques. Notre technologie est complètement adaptée à la partie tertiaire, mais également à l'industrie 4.0, car elle permet de traiter l'information à partir des capteurs présents sur les machines, mais également à partir de la mise en place de nouveaux capteurs pour optimiser tous les processus de production chez les industriels. Nous sommes sur un territoire innovant. Il nous a permis de trouver des structures nous permettant de nous développer. Et cet écosystème est très positif car il nous permet d'être en lien et en connexion avec à la fois des partenaires et nos clients en proximité. Un grand bravo à What Earth. Et What Earth, c'est Pascal Athé. Pascal Athé, lauréat de ce prix de l'innovation technologique. Voici le trophée et le partenaire. J'appelle Alban Bakary, conseiller délégué à Grand Paris Sud. Merci Alban Bakary de nous rejoindre. Merci. Alban Bakary, on est en plein dans une des problématiques du moment et il y a des solutions. C'est exactement ça. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de représenter Michel Bisson ce soir et de représenter Grand Paris Sud. Grand Paris Sud est un territoire plein de talents, d'abord qui aime accueillir les entreprises et de ce point de vue est partenaire de cette cérémonie depuis plusieurs années. Et puis c'est un endroit qui accueille un certain nombre d'équipements économiques, parmi lesquels l'éco-pépinière de Boissy-Cramayel. C'est pas tout à fait en Essonne, mais enfin c'est pas loin. Alors c'est en Seine-et-Marne, mais vous savez que les Sud-Seine-et-Marnais sont souvent essonnais de cœur. Exactement, et puis ils ne le sont qu'à quelques kilomètres. Et dans ce type d'endroit, eh bien, on accueille des entreprises innovantes, performantes, en termes d'hébergement, en termes d'accompagnement, en termes de réseautage, etc. Et eh bien, il s'y trouve le génie tel que vous pouvez l'incarner. Je suis très heureux de ce prix, de vous remettre ce prix, et vous avez toutes nos chaleureuses félicitations. Merci, merci. Alors, calculer les économies d'énergie pour les entreprises déjà, hein, ça c'est très important, donc vous faites faire des économies à tout le monde. Si José, Pascal Athé, vous croyez en ce que vous faites? Alors oui, bien sûr, on croit en ce que l'on fait. Et on a compris, le petit jeu de mots. Surtout, effectivement, nous sommes plein dans l'actualité, on parlait de décarbonation tout à l'heure. On parlait effectivement d'économie d'énergie à réaliser. Toutes les énergies ont fortement augmenté et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Notre solution, donc, pour en parler très rapidement, effectivement, vous disiez, très orientée sur l'industrie, mais également sur tout ce qui est activité tertiaire, fortement poussée par le décret tertiaire qui est paru donc, au début de cette année, qui impose à toute société dont l'activité tertiaire fait plus de 1000 m² de devoir faire moins 40% en termes de consommation d'ici 2030, donc c'est demain, moins 50 10 ans plus tard et moins 60 10 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est facile à les trouver ces pourcentages, vous, quand vous vous y mettez ou vous y mettez ou pas? Alors nous, notre record, c'est 2 heures. En 2 heures, on a fait 20% d'économie sur un site. Alors pourquoi? Parce que notre technologie, justement, ne fait pas du comptage. Le comptage, c'est comme vos fournisseurs d'énergie vous donnent une facture, ils comptent ce que vous consommez, ils vous facturent. Nous, on est en temps réel, on a une capacité de voir tout de suite, effectivement, quelles sont les machines ou les équipements qui surconsomment et quels sont ceux, surtout, qui dysfonctionnent. Et donc, ce sont les fameuses fuites énergétiques que l'on détecte et que l'on corrige automatiquement, puisque si vous avez une information aujourd'hui d'une consommation d'il y a 3 semaines, c'est un peu tard. Et puis,
Je mets au défi les personnes qui sont dans l'assistance de se souvenir de ce qu'ils ont mangé il y a 15 jours. C'est déjà un peu compliqué. Donc imaginez ce que vous avez consommé en termes d'énergie, ça l'aide davantage. Donc voilà, notre solution, elle est en temps réel, à la seconde près, vous avez l'information. Et donc quand vous avez un dysfonctionnement, il est tout de suite corrigé. C'est ce qui fait effectivement la performance. Pascal Athé, What Earth, bravo, bravo messieurs. Merci pour ce prix de l'innovation technologique. C'est une belle catégorie, hein, l'innovation technologique. Autant vous le dire, notre réalisateur Philippe Pérez se régale parce qu'il prépare les petits films et forcément aller chercher le petit détail dans ce domaine, c'est toujours un grand bonheur. C'est parti pour le prix de l'innovation technologique. On a le souhait de démocratiser l'accès à ces technologies, de le rendre possible pour n'importe quel PME, n'importe quel laboratoire, sans avoir vraiment des budgets d'investissement ou des compétences trop importantes. Historiquement, la société, c'est une société de fabrication de matières premières céramiques. On a développé depuis quelques années, depuis 3 ans, une technologie d'impression 3D de céramique et de métal qui permet de les imprimer de manière simple et très abordable. C'est une révolution pour nos clients. C'est quelque chose qui change complètement la façon dont ils envisagent de fabriquer certaines pièces. C'est beaucoup plus long parce que qualifier des produits pour l'espace, qualifier des produits pour le médical, ne serait-ce que même repenser la façon dont on design les objets, les pièces chez nos clients, ça prend beaucoup de temps. Mais à terme, c'est aussi ça qui va générer de la croissance pour l'entreprise. La céramique redevenue incontournable, j'appelle le lauréat Guillaume de Calan pour la société Nanoé. Guillaume de Calan, l'homme à la poudre de céramique, capable de tout faire. Et pour le partenaire, pour remettre symboliquement le trophée, j'appelle Rafika Rezgi, toujours pour la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Vous voilà. Vous revenez. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je voudrais dire, oui, effectivement, donc, nous sommes la communauté Paris-Saclay. On parle beaucoup du plateau de Saclay, mais la communauté de Paris-Saclay, pardon, c'est aussi des communes comme Ballainvilliers, où est installée Nanoé. Donc c'est beaucoup de fierté aussi de montrer la diversité de notre beau territoire paris-saclaisien. Vous avez bénéficié du plan de relance, donc je crois aussi que c'est important de montrer la capacité aussi à produire et à s'exporter, parce que vous exportez aussi, vous avez développé votre activité aux États-Unis, c'est ça ? Absolument. Voilà, et donc je crois que vous êtes encore mieux placé que moi, comme tout à l'heure, pour développer plus en avant vos produits. En tout cas, toutes mes félicitations au nom de Paris-Saclay. Bravo à vous, bravo à vos collaborateurs et bravo à l'innovation. Alors Guillaume de Calan, bon, on dit imprimer en 3D. Alors nous, l'imprimerie, bon, on se dit tiens, il y a une feuille. Bah, là, c'est un bel objet en céramique. C'est une sacrée avancée, notamment pour tout un tas de domaines, le médical, entre autres. Oui, absolument. L'impression 3D, nous, on est convaincus que c'est l'avenir de l'industrie. C'est pour ça que depuis quelques années, on a développé une gamme de produits pour ce domaine-là. L'impression 3D, elle va rentrer dans tous les domaines industriels. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire en rendant cette technologie plus simple d'utilisation et plus abordable pour que des PME comme celles qui sont ici aujourd'hui puissent se saisir de cette technologie et réinventer les produits grâce à ça. Alors, on s'intéresse particulièrement aux matériaux céramiques et métal, parce que c'est des matériaux qui sont encore difficiles à imprimer actuellement. Bon, vous me voyez venir, il y en aura d'autres, des matières qui feront l'objet de vos petits tours de magie. Bien sûr, nous on cherche à développer le portfolio de matières premières qui sont disponibles pour l'impression 3D. Ça a été pendant longtemps un des freins à l'adoption de cette technologie, de dire en fait c'est très bien d'imprimer une figurine en impression 3D, c'est joli, mais je ne peux pas utiliser ma matière, le matériau que j'ai l'habitude d'utiliser, celui dont j'ai besoin, et c'est un des problèmes qu'on essaie de résoudre. On vous applaudit bien fort. Bravo Guillaume. Bravo. De Calan. Merci. Et bravo. Rafika Rezgi, vous allez me faire l'honneur de rester à mes côtés. Voilà, le micro uniquement, donc pour Guillaume de Calan. Et nous allons, bien avec vous, avançons-nous, rendre un hommage. Nous avons été très
attristé cet été avec cette série d'incendies dans le Var, des feux de forêt. Et parmi les victimes, il y en a eu Virginie Spivak, traiteur événementiel dans l'Essonne, âgée de 32 ans. Vous vouliez lui rendre hommage. Oui, effectivement, nous voulions lui rendre hommage et je voudrais associer à cet hommage Michel Bourna. Michel, veux-tu te joindre à nous ? Michel, maire de Gif-sur-Yvette, où exercer Virginie, donc peut-être... Alors, on va donner un micro, hein. On va vous donner un micro. Parce que Virginie était une entrepreneuse et c'était aussi une entrepreneuse très active dans la vie locale. Elle tenait un stand au marché de Gif-sur-Yvette. Elle était un peu un incontournable des étals du marché. Je crois que tu l'as rencontrée très régulièrement comme maire de la commune, comme très engagée auprès des artisans et des commerçants locaux. C'est une tragédie qui a beaucoup marqué les Gifois et plus globalement, je crois, tout le monde de l'entrepreneuriat. Vous pouvez le voir, c'était une jeune personne, c'était une personne qui avait de l'audace, c'était une personne qui entreprenait. Et donc, au travers de cet hommage pour elle, nous voulons aussi avoir une pensée pour tous ses proches, tous ceux qui l'ont accompagnée dans ce beau parcours. Et l'ensemble des Gifois qui, par la voix de Michel aussi, veut s'associer à ce message. Bonsoir à tous. J'ignorais qu'il y avait ce témoignage à la mémoire de Virginie, qu'effectivement, j'ai connu très jeune, je suis un ami de la famille, j'ai connu toute jeune, quand elle entraînait les jeunes gymnastes au sein du club de sport de la commune. Enfin, elle l'a pratiqué, ensuite elle l'a entraîné. Et puis il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai plus en tête la durée, mais c'est l'ordre de grandeur. Elle a créé sa société, donc traiteur événementiel, orientée plus particulièrement sur les pâtisseries. Elle est partie de rien, c'était pas son métier de base. Mais elle s'y est mis avec l'aide de son frère, qui lui est un excellent cuisinier. Et puis progressivement, elle a trouvé ses marques dans la commune. Elle s'est installée sur le marché, et elle s'est fait une clientèle. Enfin bref, elle prospérait parce qu'elle avait tous les talents pour pouvoir réussir dans son métier et puis les talents en termes de personnalité pour répondre aux besoins des clients, aux attentes des uns des autres. Voilà, donc c'est une disparition tragique qui a marqué, bien évidemment, vous imaginez, la commune. Merci en tout cas. Merci à vous deux. En pareil cas, on peut faire une minute de silence, mais je pense que pour cette jeune femme dynamique, on peut tous applaudir bien fort. Merci à vous deux. Nous allons poursuivre la cérémonie et continuer à découvrir tous ces talents, à découvrir tous ces projets, toutes ces belles idées. Nous sommes toujours dans le prix de l'innovation technologique. J'appelle Franck Raffali de 6ENR, système d'énergie des panneaux solaires pour les entreprises. Il avait déjà reçu un 91 d'or 2017, je crois, si mes souvenirs sont exacts, 45 salariés. Nous allons voir toutes les images derrière de 6ENR. Et pour vous remettre le trophée symboliquement, le partenaire Jean-Claude Crozon, président du Rotary d'Évry-Corbeil, qui est là et que je vous demande d'applaudir également. C'est l'innovation technologique et forcément Jean-Claude Crozon, c'est un incontournable, c'est panneau photovoltaïque. Oui, alors bonsoir. Tout d'abord, juste 2 petits mots du Rotary. Hein, tout le monde pense au Rotary pour les actions humanitaires, le polio, la banque alimentaire, c'était le week-end dernier. Mais on fait également des actions professionnelles. Je connais bien Franck Raffali. Il s'avère qu'en 2008, j'ai été un des premiers à faire une centrale photovoltaïque en module souple dans l'Essonne, à Grigny. Et à l'époque, je cherchais un électricien. Et l'électricien que me l'a proposé, c'est Franck Raffali, ici présent.
Donc je suis particulièrement fier de lui remettre ce trophée ce soir. Franck Raffali, alors c'est comme au César, certains ont deux fois un César. Hein ? Eh bien, c'est pareil pour les 91 d'or. Alors, il y a l'étude de la centrale photovoltaïque, il y a l'installation, il y a la maintenance. Vous n'arrêtez pas, en fait. C'est ça, en fait, c'est un métier formidable qui est très générateur d'emplois, non délocalisable. Donc, c'est un métier du bâtiment. Je suis également un acteur du bâtiment à la Fédération française. Je vois Fabien ici qui m'avait sponsorisé également pour le premier trophée. Je vous remercie beaucoup. Bravo à vous. Toutes nos félicitations pour Franck Raffali, 6 ENR et ses panneaux photovoltaïques. Prix de la jeune entreprise performante. On découvre. On essaie d'avoir une techno qui garantit le succès à tous les clients. Petits, qui parlent pas, qui payent ou qui payent pas. Voilà, c'est tout le monde. On travaille, nous, en santé animale. Et on détecte les maladies infectieuses, donc tout ce qui est virus, bactéries, parasites, chez les chevaux, les chats et les chiens, par PCR, qui peuvent se faire directement en clinique. Un test à usage unique, sur un petit lecteur portatif. Lors de l'achat, le vétérinaire choisit les maladies qu'il veut tester, parce qu'on peut tester jusqu'à 7 maladies en 20 minutes, à partir du même échantillon, donc ce qui est quand même assez important pour eux. C'est un beau succès collectif de mon point de vue. On déménage, on embauche pas mal de personnes, donc faut structurer tout ça, et tout en continuant à satisfaire les clients. Donc c'est une belle aventure d'équipe, on va dire. Vous rentrez chez vous et vous dites à votre chat ou à votre chien, eh bien tu n'es pas le seul à faire le test PCR. Laurent Thierry, président d'Enalis, exceptionnel là aussi, ce projet des tests rapides de diagnostic, ça marche pour les chats, les chiens, les chevaux. Et alors il est venu avec toute son équipe. Alors on est bien d'accord, seul Laurent Thierry enlève son masque, mais je pense que tout le monde était briefé. Bravo à vous tous, on vous applaudit bien fort. Et pour remettre le trophée, je rappelle Alban Bakary, le conseiller délégué à Grand Paris Sud, qui là aussi va nous conter cette histoire. Je ne sais pas si vous avez des animaux. Moi, j'ai un petit chien et je suis évidemment très intéressé. Allez, honneur à votre lauréat. Super, félicitations à toutes et à tous. C'est vraiment, vraiment extrêmement plaisant. Tout ce beau monde travaille sur le Génopôle d'Evry. Et donc, une fierté de Grand Paris Sud et une fierté du territoire. Extrêmement passionné par ce que vous avez inventé, par ces solutions effectivement de tests pratiques, rapides. Et puis, on vous souhaite un développement encore, puisque je crois que vous avez récemment agrandi vos locaux, et puis probablement votre nombre de collaborateurs, certainement aussi. Et 25 cas, salariés, je crois. Exactement, c'est ça, aujourd'hui. 25, ouais, je les ai comptés, ils sont 13. On est à plus de 50% ce soir autour de vous. Bravo. Donc on vous souhaite vraiment de continuer à vous grandir et surtout rester sur le territoire. Félicitations. Laurent Thierry. Bon, on le redit, on a tous été dans cette crise sanitaire affolée pour nous. Et aussi nos animaux. Tout à fait, oui. Donc, on a beaucoup d'animaux, je pense ici, enfin, des gens qui ont des animaux, un chat, chien, chevaux ou autre. Et effectivement. Petite chèvre, ça marche, par exemple. Oui, je sais pas, chèvre, chevaux, tortue, lapin, autre. Et c'est vrai qu'eux aussi, en fait, tombent malades. Ils ont aussi des coronavirus pour certains. Et on a fait on a maintenant 30 tests hein, pour nos animaux. Et on est venus presque tous ensemble, hein, 50%, parce que c'est vraiment une aventure humaine. Alors, comme toutes les entreprises, hein, mais chez nous, c'est pour ceux qui nous connaissent, c'est un peu particulier. Et de mon point de vue, c'est vraiment toute cette équipe, plus l'autre moitié, qui fait que bah, chaque année, on double le chiffre d'affaires, on double l'équipe. Hein, la moitié qui sont là n'était pas là l'année dernière, donc on progresse assez vite. On a quadruplé notre taille de local et logiquement, dans quelques mois, on ouvre une filiale en Allemagne, en Angleterre et peut-être aux États-Unis.
Oui, on imagine que partout ça va marcher. Merci à vous, Laurent Thierry, bravo. Président d'Enalis, hein, on prononce les deux E, I. Voilà, merci à vous tous, vous rejoignez votre place. Le prix de la jeune entreprise performante. Alors, la cérémonie des 91 d'or, c'est aussi une partie spectacle. Et dans cette partie spectacle, à chaque fois, on se régale et on découvre. La preuve, est-ce que vous avez entendu parler du Double Dutch ? Oui, oui, bien. Ah, c'est le président qui dit ça, mais c'est pas drôle, alors, Henri, parce que vous avez vu les répétitions. Monsieur le sous-préfet aussi, évidemment. Ben, Dutch, hein, évidemment, vous savez, c'est l'appellation en anglais du hollandais, en fait, hein. Donc Double Dutch, deux petits dans les quartiers de New York, il y a quelques années, qui s'amusent avec des cordes. Et puis, dans les années 70, une fédération se crée, des artistes arrivent. Et voici ce que nous vous proposons autour de la présidente Nadia Edliff de la fédération de Double Dutch. Spectacle, c'est parti! Thank you.
le Double Dutch. On vous applaudit bien fort. Bravo à tous les cinq. Nous reprenons nos lauréats avec le prix, ça tombe bien, du sport en entreprise. Sur Chili Mazarin, un salarié sur deux pratique l'activité sportive. Donc aujourd'hui, Sanofi a à disposition de ses salariés une association sportive très importante qui compte plus de 3000 membres, des activités sur site, donc sur le créneau du midi ou du soir, mais également beaucoup d'activités événementielles sur le week-end qui nécessitent de partir et de quitter la région parisienne. Beaucoup de choses qui sont faites en dehors du lieu de travail. Il est évident que pour Sanofi, le sport aide, finalement, est un complément du travail qui permet de limiter le stress et de maintenir les gens en bonne santé. Il y a des gens qui vont rester dans une même discipline, mais on le voit régulièrement, on est obligé de mettre en place des nouvelles activités. Ce renouvellement, il est vraiment indispensable pour attirer de nouveaux collaborateurs. Donc il est évident qu'on va continuer à s'adapter et proposer sans doute une double offre, une offre en présentiel, mais également une offre en distanciel. La bonne forme de tous ceux qui travaillent. J'appelle Paolo Carita, président de l'association de Sanofi, l'association sport en entreprise, et j'appelle également Philippe Subiron, le directeur du centre de recherche. Messieurs, nous vous attendons ici sur scène. Nous avons prévu deux micros et évidemment celui qui parraine ce prix, c'est Jean-Pierre Mougin, président du MEDEF Sport Essonne, ancien vice-président du CNOSF et qui a eu l'œil, bien sûr, sur ce défi exceptionnel. Jean-Pierre Mougin, il est où ? Il arrive. En fait, il s'est occupé des Double Dutch. Donc, il arrive. Écoutez, je voudrais juste vous dire que moi, j'ai des retours. Certains s'entendent dire à la maison, « Comment ça, tu passes ton temps au sport avec tes amis ? Là, on a trouvé la parade. Ah oui, c'est à ton entreprise, tu peux y aller. » On passe le temps, on passe le week-end avec les collègues et on s'amuse et c'est un bonheur. Qui commence ? Paolo, Carita ? Oui, donc en tout cas, je voulais remercier tout le monde pour ce prix parce qu'en fin de compte, il est vrai que vu la situation sanitaire depuis près de 18 mois, je pense que notre réseau de bénévoles a su s'adapter. Et en particulier, on a pu maintenir une activité peut-être à distance. Il est vrai que durant ces confinements, ça a permis, en offrant des activités à distance, de garder un lien social, mais également de continuer à pratiquer une activité sportive. Même si, depuis quelques mois, on est revenu sur site, mais beaucoup moins. Avec le télétravail, les gens passent pas mal de temps à la maison. Et c'est pour ça qu'on s'est adapté. Donc on a proposé une double offre, donc des activités sportives sur site, mais également en distanciel, avec également des activités qui sont proposées en même temps, c'est-à-dire des gens sont sur site et d'autres sont à la maison et participent aux mêmes activités. Avec toujours la passion du sport. Jean-Pierre Mougin, j'ai expliqué, cher Jean-Pierre, la raison pour laquelle il y avait un petit problème de timing. J'étais en train de raccompagner les artistes qu'on a vus tout à l'heure, puisque c'est moi qui les ai fait venir, donc je leur ai dit merci pour leur démonstration. Depuis quelques années, la France s'est lancée dans un vrai projet de développer la pratique du sport en entreprise. C'est un enjeu majeur. Sanofi est au top. Tout à fait. Je pense que c'est une entreprise remarquable qui a obtenu l'année passée le prix de la meilleure entreprise sportive de France pour les plus de 250. Donc c'est un honneur important fait par le CNOSF au travers des trophées Sentez-vous Sport. Et puis Paolo vient de le dire, c'est une entreprise remarquable. Je crois qu'il avait 2500 participants au niveau du club et c'est les SAS, je crois que c'est remarquable. Et puis surtout des animations également, des salles de sport mises à disposition. Tout ce qui fait que finalement cette entreprise se trouve vraiment au top en termes de sport en entreprise. Et je défends au titre du mouvement sportif en particulier la pratique du sport pour les salariés parce que c'est bon pour les salariés, mais c'est bon aussi pour l'entreprise elle-même parce que ça permet d'améliorer et la performance des salariés et la performance de l'entreprise et des économies de coûts de santé également remarquables. C'est 300 euros de gains sur le coût de sécurité sociale. Et puis quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on est plus efficace et plus performant. En tout cas, c'est un gros défi. C'est du gagnant, 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 gagnant. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, absolument.
Philippe Subiron, directeur du centre de recherche, vous êtes sportif au départ. C'est pas possible qu'il y ait autant de dynamisme sur cette pratique sans que le grand patron soit sportif. Enfin, en l'occurrence, moi, j'ai joué au rugby, mais c'est relativement banal. Je suis originaire du Sud-Ouest, donc c'est une approche culturelle, ça aide. Et c'est vrai que le centre de recherche et développement qui est à cheval sur les villes de Chimazarin et de Longjumeau, hein, donc je salue Madame Resky, dans la communauté d'agglomération de Paris-Saclay depuis 60 ans. Et cette magnifique association qui est commune sur toute la région parisienne, en fait, ça contribue là aussi à notre programme de santé au travail, de qualité de vie au travail, donc de performance, de santé tout court. Et donc, ça repose évidemment sur des moyens, mais aussi du volontariat, parce que c'est une association qui repose sur un réseau et qui repose sur l'énergie de ton équipe, Paul. Oui, c'est un réseau de 70 bénévoles, donc des gens qui ont un goût pour une activité et qui souhaitent la partager au sein de l'entreprise. Plus les infrastructures, parce que là aussi, c'est un grand défi pour la France, les infrastructures. Vous savez qu'il y a plusieurs dojos qui sont lancés. Hein. Si vous avez une équipe de judo, de karaté ? Aujourd'hui, non. Ah, voilà, ça va venir. J'ai trouvé. Merci. Je dirais quand même que Sanofi est devenu depuis peu partenaire premium des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ça, je pense que c'est un grand honneur pour l'Essonne et puis aussi pour la France. Et la boucle est bouclée. Paolo Carita et Philippe Subiron. Merci à vous. Voilà pour la partie sportive de ces 91 d'or de cette 29e cérémonie. Nous continuons avec le prix du numérique. C'est mon petit chez moi dans lequel je m'épanouis chaque jour, je me découvre chaque jour. Dans notre boutique, le Royaume des Lutins, on prône le développement de l'enfant dans l'amusement. Du jeu éducatif qui va apporter quelque chose à l'enfant. Et surtout, qui n'est pas dans le mode surconsommation. Après, effectivement, l'idée, c'est de toujours développer la boutique encore un peu plus. Du coup, j'ai pris contact avec ma webmaster, les ateliers comme personne à Angers, qui m'ont fait un super site internet qui me ressemble à 200%. On a mis 9 mois à le faire et c'est mon deuxième petit bébé. Il est très ressemblant à ma façon d'être et à ma façon de présenter les produits en boutique. J'ai voulu y apporter le conseil que moi j'aurais donné en présentiel, sans perdre pour autant la proximité de mes clientes. L'un des endroits rêvés à Ballancourt, j'appelle Solène Martin pour la boutique Le Royaume des Lutins. Solène Martin qui cultive les paradoxes gagnants. Je ne fais aucun jeu numérique, mais je suis la reine du numérique en faisant la promotion. C'est bien vu, c'est très bien vu pour ce partenaire que j'appelle Patrick Imbert, président de la communauté de communes de Val-d'Essonne. J'imagine que là aussi, on a tous vu les jeux. On a envie d'essayer là, les fléchettes sans se blesser, c'est très bien. Le scratch fonctionne, c'est parfait. Patrick Imbert, c'est un petit palais de rêve. Hein. Exactement, et c'est un vrai plaisir à la fois en tant que président de la communauté de communes, mais aussi en tant que vice-président du conseil départemental en charge du déploiement numérique. Donc c'était aussi un joli clin d'œil, et ça fait plaisir de voir qu'un commerce de centre-ville, qui est traditionnel, peut aussi faire preuve d'imagination, d'innovation, pour justement accélérer son marketing au quotidien. Et je pense que vous nous en direz un peu plus, c'est que la crise sanitaire a amené aussi beaucoup de commerces à se remettre en question, à se remettre en cause, et essayer d'imaginer de pouvoir toujours rester ouvert alors qu'il y avait des contraintes sanitaires très importantes. Et je pense que ça aussi, ça a été un déclencheur pour vous. Et ça a été aussi pour nous de prendre conscience de cela avec les services de la communauté de communes que je salue, puisqu'on a mis en place le site Les Vitrines du Val-d'Essonne. Et là encore, on s'était inspiré de ce que vous aviez pu imaginer. Solène Martin, je parlais de paradoxe, hein, c'était amical évidemment, mais quand même, c'est intéressant. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait que ça qu'on ne pense pas à ça. Et ça prouve le talent et l'ouverture d'esprit. Initialement, je voulais pas de site internet. À la base, je voulais quatre murs
Dans un petit centre de proximité, effectivement, parce que le relationnel avec mes clients, pour moi, était hyper important. Et m'enfermer dans une grande galerie marchande où on ne voyait pas la lumière du jour, où les gens arrivent en speed parce qu'ils sont juste sur leur pause de déjeuner. Moi, je voulais pouvoir prendre le temps de discuter avec eux, discuter de leurs enfants, de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils cherchaient pour leur trouver vraiment le jeu qui correspondait au centre d'intérêt de l'enfant, dans le but que ça lui apporte quelque chose. Ça, avec juste un site internet, c'était pas faisable. J'ai été amenée en fait à aller vers le site internet avec les confinements. Suite au premier confinement, j'ai gardé la tête hors de l'eau en utilisant des outils qui n'étaient pas prévus pour faire du click and collect. J'avais à l'époque 1200 références en boutique. J'ai passé un mois sur mon ordi à mettre toutes les photos des articles dans les albums photos de Facebook, à échanger avec mes clients via Messenger, mail, texto, tout ce qui était possible et imaginable. J'arrivais le matin, j'avais des bons de commande sous le rideau de la boutique et le numéro de téléphone pour que je rappelle pour savoir si c'était dispo. Le deuxième confinement, j'ai juste eu à remettre à jour et à rajouter les nouveautés, sauf que pas de bol, magasin de jouets au mois de novembre, c'est un peu chaud. Là, je me suis complètement noyée sous les commandes. Mon mari, qui était à la maison, a pris énormément de repos pour pouvoir gérer nos enfants, parce que, en fait, je m'occupais du deuxième bébé, du troisième, pardon, parce qu'il y avait mon petit bout de chou de 3 mois à l'époque à la maison. Et j'ai du coup opté pour le site internet. Parce que je me suis dit, en cas de troisième confinement, je ne veux pas refaire la même. Et le site internet donc, qui est sorti au mois d'août, ça fait 3 mois maintenant qu'il est lancé, et j'avais peur que ça prenne trop le dessus sur la boutique. Mes clients, finalement, en fait, apprécient de pouvoir zioter dans les rayons sur les heures. C'est ça, ça se complète complètement. Et ça m'ouvre en plus un deuxième marché auquel je n'aurais pas espéré. C'est que tous les jours, je fais des colis, finalement, en envoi via Mondial Relais ou Colissimo pour aller un peu partout en France et au Luxembourg. On parlait de relance, hein, finalement. C'est un exemple. C'est ça. Vous ne me faites pas croire que c'est que des jouets pour les enfants. Là, c'est... Non, effectivement, il y a des boîtes en 18 ans et plus. Oui, je vous confirme. Bravo à vous, Solène Martin. Merci. Le royaume des lutins, bravo. Nous continuons, nous sommes dans le numérique, avec plein d'idées, plein d'initiatives. Prix du numérique avec, j'appelle Julien Bénard, Kazam Pro. Julien Bénard, Kazam Pro, qu'on applaudit bien fort. Installateur, électricien. Là aussi, on va parler de la démarche numérique. Julien Bénard qui arrive et qui va donc prendre le trophée et le micro. Et le partenaire, c'est Jean-Philippe Ferry, président d'Initiative Essonne. Jean-Philippe Ferry qui, lui aussi, va dire un petit mot déjà. Présenter. Alors, je précise que là, nous allons avoir les images hein, de votre activité. Un mot donc sur votre lauréat. On le voit arriver avec la camionnette. Kazam Pro. Alors, Monsieur Ferry. Eh ben, ravi en tout cas de pouvoir accueillir Julien et pouvoir lui remettre ce prix. Julien, il a été accompagné par Initiative Essonne qui accompagne à peu près 130 entrepreneurs tous les ans sur le territoire essonien à travers des prêts d'honneur et puis également du parrainage. Et ce qui est intéressant avec le projet de Julien, c'est qu'il est à la fois sur nos territoires, mais très digital dans sa conception. Il associe l'entrepreneuriat, l'artisanat et la recherche de solutions innovantes sur le digital. Mais il va en parler très, très bien. Oui, parce que d'une certaine manière, vous nous aidez à faire chez nous un peu seul ce qu'on ne va pas pouvoir savoir faire, finalement. Oui, c'est ça. Alors nous, on est une entreprise artisanale un petit peu particulière, puisqu'on a vocation, donc on a commencé par digitaliser notre activité. Notre vocation, c'est d'aider l'ensemble des artisans à gagner du temps. Et pour ça, notre mission, c'est principalement de conseiller les clients pour qu'une fois arrivés devant l'artisan, ils sachent déjà ce qu'ils veulent. Et ça permet de faire gagner du temps à l'artisan. Leur fait faire un diagnostic, finalement. Voilà, exactement. Et voilà, nous, on est principalement experts des produits, des équipements du bâtiment. Et donc, on conseille ses clients de manière objective sur le meilleur produit qui satisfera leurs besoins. Bon, c'est lié, installateur, électricien, numérique, on n'est pas loin de toute façon. Hein. Oui,
Ouais, alors on a parfois des difficultés à expliquer ce qu'on fait parce qu'on est, on touche à des sujets qui sont très éloignés. Le bâtiment aujourd'hui, c'est vraiment un des parents pauvres de la digitalisation. Et nous, par notre statut à la fois d'artisan et de spécialiste des technologies, puisque moi je viens du milieu du web, on veut vraiment faire le pont. Et voilà, j'espère que vous nous aiderez à y arriver. Bravo Julien Bénard, Kazam Pro, prix du numérique, pour cette 29e édition des 91 d'or. Et pour le prix de l'innovation environnementale, j'appelle, alors elle n'est pas là, Bernice Cobozo pour Air Arboré, mais pour la représenter, Véronique Mionne Herrera. Air Arboré, c'est un projet complètement incroyable. Alors, c'est en fait la mise au point de tout un tas de produits, des crèmes de soins pour les cheveux, les shampoings solides, crèmes capillaires, pour tous les cheveux un petit peu difficiles. Et je vous invite à venir ici, chère Véronique Mionne Herrera, et le trophée, c'est en anglais, est remis par le réseau Entreprendre Essonne, Jérôme Brett, grand habitué des 91 d'or. Alors, au départ, Bernice Cobozo, ingénieur chimiste de l'ESCOM, donc c'est un ingénieur, et évidemment, elle a pensé à tous ceux qui ont des problèmes avec des cheveux compliqués. Je ne fais pas le jeu de mots que tout le monde va faire. Je comprends pourquoi ils m'ont choisi ce soir. Bien sûr, on se rapproche devant. Hein, Jérôme, avançons un petit peu, voilà, et on peut enlever le masque, hein, oui, évidemment. Vous ne voulez pas, Jérôme, vous mettre ici ? Voilà. Bien. Bon, c'est une sacrée affaire, là, parce qu'on a tout un tas de produits. On va dire qu'on a là un projet qui vient en aide à tous ceux qui en ont besoin, cher Jérôme. Tu m'aides. Et oui. Alors, nous, on innove ce soir au réseau Entreprendre, on aime bien innover. Donc, j'en suis plus le président depuis 2 ans, donc je suis content d'être là et de le représenter. Et 2, je ne connaissais pas le lauréat il y a 5 minutes, et la lauréate n'est pas là. Alors Véronique, tu vas faire l'interprète. Et heureusement que j'ai préparé mon affaire. Hein. C'est ça. Heureusement que j'ai préparé mon affaire. Mais quand même, Jérôme, un petit mot, non, d'ordre général ? Eh bien, oui, tout va bien. Merci au MEDEF pour cette belle soirée. C'est génial. On est vraiment content d'être là. Et je vais essayer de faire un challenge, comme j'ai organisé les 91 d'or de nombreuses années. Ben oui. Je sais qu'il faut être bref et court. Et ce soir, le réseau Entreprendre va faire bref et court. Comme si on avait voulu faire, si on avait voulu faire mieux, on n'aurait pas pu. Pour les problèmes capillaires, Jérôme Brett, et en plus, qui n'était pas prévenu, ça, c'est génial. C'est super. Allez, on s'intéresse parce que là, il y a un vrai projet solide, une ingénieure de talent. Voilà, c'est ça. Alors, Bernice Cobozo est absente aujourd'hui pour raison de santé. Elle s'en excuse auprès de vous tous. Donc, effectivement, c'est un projet innovant. C'est une jeune femme qui a créé son entreprise qui s'appelle Air Arboré, en fait, qui est spécialisée dans la conception d'un produit capillaire, mais qui est destiné aux personnes qui ont des cheveux frisés, bouclés ou crépus, en tout cas qui ont des cheveux. Jérôme vous présente la gamme de produits Air Arboré. Avant, et l'année prochaine, je fais après. Alors, c'est un projet qui a nécessité toutefois une année de recherche et développement au sein du Génopole, donc au laboratoire de technobiologie. De biotechnologie, pardon, et voilà, et c'est une toute jeune société qui lance actuellement une campagne de crowdfunding. Parce que en fait, alors bon, il y a ça, mais vous proposez des formulations cosmétiques, et du coup, eh bien, il y a tout un tas de grandes entreprises qui font appel à vous. Il y a évidemment les produits, et puis ce que vous mettez pour développer. Merci à vous, bravo. Jérôme, c'était merci. Super. Merci, bravo. Air Arboré, donc, représenté par Véronique Mionne Herrera. Nous passons au prix de l'entreprise agile. Belle catégorie. On y va. Aujourd'hui, ce qui plaît, c'est de partir d'une matière première et d'en faire un produit fini et d'en discuter avec nos clients, quoi. On a 11 bières en vente
continuellement. Et on alterne la bière d'été et la bière de Noël. Et ça fait découvrir aux gens voilà, qu'on peut avoir des bons produits. Par exemple, pour la bière aux fruits rouges, là, il a fallu un an de développement de recettes pour aboutir à cette bière aujourd'hui qui convient visiblement à nos clientes. Seulement 4 ans d'existence et on est parti de rien, on revient de très loin et aujourd'hui on est en pleine expansion et on a encore du chemin à faire, mais encore une fois nos clients apprécient les produits donc ouais, c'est motivant. Hein. Et là, effectivement, Jérôme Brett était compétent sur ce sujet, mais j'appelle Xavier Fabre, la brasserie de la Juine, qui nous régale. Oh, j'ai vu des bières, alors j'ai vu au miel, aux fruits rouges. Et pour vous remettre le trophée symboliquement, Jean-Marc Fouché, oui, un partenaire heureux sur la thématique. Président de la communauté de communes entre Juine et Renarde. Et puis j'appelle également Christophe Gardao, le vice-président. Merci. 2 partenaires qui viennent parce que effectivement le sujet nous inspire. On est dans la jeune entreprise qui se dit il faut trouver, il faut se relancer et c'est bingo. Ben oui, tout à fait, c'est une réussite. Donc vous avez remarqué, la communauté de communes entre Juine et Renarde, elle innove. Hein. On est passé de différentes pratiques avec de la technologie. Mais nous, notre volonté, c'était de mettre en valeur Xavier. Xavier qui, comme il l'a démontré, a démarré dès le début avec une bière, standard, mais qui tout de suite ne s'est pas arrêté là. A innové. Maintenant, il s'exporte partout. Hein, et c'est une fierté pour notre territoire. Je pense que c'est une fierté, Christophe, on dira deux mots, pour la commune de Janville. Évidemment. Hein, donc voilà, nous on tenait vraiment, Xavier, à ce que ce soir tu puisses être mis en valeur par rapport à ce que tu fais. Et on t'en remercie. Et je vous avoue, je les ai déjà toutes goûtées. Oui, on vous fait confiance. Et les crèmes capillaires, non, en revanche, pas testées non plus. Non, mais je vais aller voir monsieur tout à l'heure et puis on fera peut-être un... Christophe Gardao, c'est à vous. Oui, merci, bonsoir à tous. Et bien évidemment, moi je suis le vice-président et surtout le maire de la commune dans laquelle Xavier officie. Donc on a été très contents. Allez, il faut la renommer, la commune. La commune de Janville-sur-Juine. Mais oui. Grosse commune du Sud-Essonne. Merci Rémi. Okay. Rémi. Et, du coup, bon voilà, Xavier s'est installé. C'était pas forcément au départ... sa vocation, il a fait une rencontre, il s'est lancé là-dedans. Je sais qu'il a eu des difficultés à un moment donné avec un problème bactérie dans l'eau, et ça a été très compliqué. Il a su persévérer, et aujourd'hui son entreprise est florissante. On espère même qu'elle va s'agrandir. On travaille sur ce projet pour essayer de lui trouver un local encore plus grand, et pour le bonheur de tous, qu'il continue à nous faire d'une très bonne bière, de très bonne qualité. Au départ, vous êtes grossiste en viande, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Alors bon, on est dans le goût et dans le plaisir, mais ça change complètement. Pourquoi ? Un retour aux sources en fait, produire de ses mains, produire, et puis voilà, changer complètement de méthode de travail, de... Enfin voilà, vraiment fabriquer quelque chose de ses mains, pouvoir en parler, pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait, voilà, c'était pour, à mon avis important. Il y a deux choses, il y a la créativité dans un domaine où il y a beaucoup de choses d'inventer, hein. La bière pour ceux qui aiment, effectivement il y a tout un tas de produits, mais il y a aussi cette déclinaison en fait, j'ai vu la miel, fruits rouges, etc. etc. En fait c'est inventer un concept. Exactement. D'une certaine manière. C'est élaborer des recettes, essayer de chercher quelque chose qui plaît pour les clients, et puis aussi les élaborer en fonction des demandes des clients, voilà, comme la fruit rouge telle qu'on a pu la voir, c'était les demandes de femmes exclusivement, puis voilà, après essayer de progresser toujours sur de nouvelles recettes. C'est laquelle votre préférée ? La triple. La triple ? D'accord, très bien. Vous en faites à la pistache, non ? Non, pas encore. Ça peut s'imaginer ou pas ? Pourquoi pas ? Je lance l'idée. Au miel du Gâtinais, en tout cas. Au miel du Gâtinais, ça existe déjà, oui. Merci, bravo à vous, Xavier Fabre, la brasserie de la Juine.
Et voilà pour les trois micros. Alors, il y avait trois micros, là on va encore en avoir besoin d'un peu plus. Voici un moment tant attendu, celui où chaque année nous évoquons une belle histoire, celui de la magie, de la formation, l'apprenti. Voici le prix de la formation professionnelle. Déjà, apprendre le métier, faire de l'alternance, c'est déjà un grand pas pour eux. C'est la meilleure voie, en fait, pour pouvoir apprendre et devenir tout de suite professionnel, tout simplement. L'apprentissage, c'est un contrat de confiance dans les deux sens. Je leur fais confiance sur le savoir-être, et si je vois qu'ils sont au rendez-vous, je leur demande d'avoir confiance sur mon savoir-faire. Nous accueillons depuis de nombreuses années, plus de 50 ans, des élèves qui viennent apprendre du coup, les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie et aussi de l'hôtellerie, de la restauration. Nous sommes le seul établissement public de l'Essonne qui forme à ces métiers. Il faut dire aussi que la restauration a beaucoup changé, que ce soit les horaires, que ce soit les conditions, que ce soit le savoir-faire. Donc j'essaie justement moi-même de m'adapter à ça pour pouvoir leur donner les bonnes voies à suivre. Il m'a appris tout simplement comment gérer un restaurant, il m'a fait comprendre tous ses documents et en même temps il m'a aussi aidé à m'améliorer au niveau de ma technique culinaire. Il y a bien deux étapes différentes, mais elles sont toutes les deux complémentaires. Voilà, donc ça c'est bien d'être confronté à cette vie, je dirais, qui est faite de surprises, y compris dans une journée professionnelle. Et je dirais, quand on parle de coup de feu un petit peu, voilà, c'est vrai qu'ils l'ont plus en restaurant ou leur boulangerie, voilà, des périodes comme ça, que sur un établissement scolaire. On est passé par là, c'est-à-dire qu'on a appris par une autre personne, et transmettre ça, c'est-à-dire qu'on continue, c'est une chaîne en fait. Il y a vraiment un gros travail d'équipe dans le sens où il faut que le patron soit présent. À l'école, j'avais une tutrice qui a toujours été derrière moi et qui est encore aujourd'hui derrière moi. Et c'est grâce vraiment à ces deux personnes qu'aujourd'hui, j'ai gagné mon diplôme. À ceux qui veulent faire de l'apprentissage, foncez, mais n'oubliez pas que derrière, il y a des gens qui seront derrière vous et c'est à eux qu'il faut dire merci. Et dans cette belle réussite de l'apprentissage, eh bien, il y a trois gagnants. Il y a l'apprenti, Sarah Hamel. Sarah Hamel, l'apprenti qui nous rejoint. Il y a aussi le maître d'apprentissage, Aymeric Noré, du restaurant Le Distingo. Et bien sûr, il y a le lycée professionnel, celui du château des Coudray, Jean-Marc Dailly, le proviseur. Alors, j'ai appelé trois personnes, il y en a un petit peu plus. Vous allez voir que finalement, il y a trois gagnants, mais l'apprentissage, c'est encore plus de personnes. Alors, les trois personnes que j'ai nommées sont invitées à enlever leur masque et récupérer un micro. Donc, Sarah Hamel, on la reconnaît. Puis, Aymeric Noré et Jean-Marc Dailly. Alors, je vais vous demander peut-être de vous mettre un petit peu plus à droite. Là, je vais, pour tout vous dire, ce prix était un casse-tête au niveau du Covid. Pourquoi ? Parce que nous avons, je vais vous le dire, précisément, 5 micros. Eh bien, nous serons 6. On va se débrouiller. J'appelle les deux partenaires. Le trophée est donc remis par Yvon Giroudon. Yvon Giroudon, président de la commission emploi-formation insertion du MEDEF Essonne, et Virginie Réa, déléguée générale du MEDEF Île-de-France. Alors, on va dire que les trois lauréats se mettent un petit peu plus ici, comme ça vous vous approchez, et les deux partenaires vont se mettre ici, comme ça. Voilà, Madame Réa, ici, moi, je vais me mettre, je ne sais pas où, je vais, voilà, comme ça. Et donc, Madame Réa, c'est vous qui commencez à parler. Une fois que vous aurez terminé, on récupérera votre micro pour le passer à Yvon Giroudon. Ça vous va comme ça? On y va. Alors, c'est encore un bel exemple de la réussite de l'apprentissage. Oui, c'est merveilleux. Tout comme cette soirée, je voulais exprimer toute ma fierté en tant que déléguée générale du MEDEF Île-de-France et remercier Henri d'avoir organisé cet événement en Essonne. C'est vraiment formidable, ce 29e trophée. Le MEDEF Île-de-France est partenaire et soutient particulièrement ce trophée de la formation professionnelle. On a pu le voir, là, toute cette présentation, différentes entreprises, toute la richesse, c'est avant tout des hommes et des femmes. Et puis, je crois que la relève est là. Donc, je vous félicite et je vous dis bravo. Merci. Pendant qu'on s'occupe de votre micro, on va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Voilà, quand même, on va faire
déjà un petit tour de l'autre côté. Sarah Hamel, j'ai vu toutes les activités que vous faites, parce que finalement, vous êtes en cuisine, mais vous êtes aussi sur l'aspect gestion. C'est quoi le rêve ultime? C'est être une cuisinière de grande renommée? C'est quoi? Alors, mon objectif, il est simple. C'est de progresser chaque jour, de devenir meilleur. Et puis, l'objectif, ce serait d'avoir mon propre établissement. Ça, ce serait bien. Ça, en fait, c'est parce que c'est une histoire de rêve, la restauration. Ça fait partie des métiers qui font rêver. Et dans votre rêve le plus fou, ça serait un restaurant de quoi? Restaurant de quoi? Un restaurant qui me rendrait heureuse et qui rendrait heureux mes clients, bien sûr. Et puis, un restaurant qui serait un peu le résultat de tout un travail, de toute une formation. Et surtout, ça me permettrait de remercier mon directeur, M. Dailly, qui a été vraiment génial avec moi, mon maître d'apprentissage, qui m'a aidé, formé, surtout supporté, parce que c'est pas facile d'avoir une apprenti. Et puis surtout, et également ma famille, parce que ne m'ont pas choisi. Et puis ma tutrice, Madame Cécile Pignon, qui est là ce soir et qui m'a beaucoup aidé. Et pour prof, ce soir, c'est aussi mon chauffeur, donc merci beaucoup. Oui, voilà. Alors, on dit que la réussite d'un restaurant, c'est aussi la qualité de l'accueil et la magie de l'ambiance. L'ambiance est déjà assurée dans le restaurant. Vous nous dites un mot sur vos trois accompagnatrices? Ce sont mes collègues de travail, mais avant ça, ce sont d'abord mes meilleurs amis, parce qu'on se crée beaucoup, on crée des amitiés, on crée des affinités au travail et surtout à travers l'apprentissage. Donc voilà, Mia, Manuel, Johanna, Cindy, ce sont mes meilleures amies, elles sont vraiment géniales. C'est super, merci, on vous applaudit aussi. Yvon Giroudon, alors, emploi, formation. La formation, j'ai l'impression que tout part de l'histoire d'une passion, mais d'une rencontre aussi, d'une rencontre. Avancez-vous un peu. Absolument. Moi, je suis très fier, très fier de pouvoir être présent ce soir pour vous remettre ce prix avec vous, madame. Parce que les personnes qui me connaissent savent combien je suis impliqué dans la formation de nos jeunes, dans l'avenir de nos jeunes, qui vont représenter la France de demain et qui ont un challenge absolument colossal pour pouvoir faire demain de nos entreprises des emplois futurs. Je suis très heureux aussi parce que c'est assez rare, on réunit sur le même plateau un proviseur d'école, donc l'organisme de formation, le centre de formation, le maître d'apprentissage, et bravo monsieur pour prendre des apprentis, parce que ça c'est indispensable, on doit suivre votre exemple, et puis vous, jeune fille qui avez choisi donc la voie de l'apprentissage, la voie que j'appelle royale, parce que je pense que pour apprendre un métier, rien de mieux que de cumuler de l'apprentissage théorique, même s'il y a de la pratique, on sait en CFA, mais avec la vraie vie professionnelle, les vraies problématiques que vous allez rencontrer en entreprise et qui vont construire vos compétences. Félicitations. Bravo. Émeric Noré, vous me dites si j'ai raison ou tort, mais j'ai l'impression que le premier échange avec son apprenti, on a tout de suite compris si ça va prendre ou pas. Parce que quand on la voit, vous écoutez faire, parler, on se dit d'entrée, bon, elle est faite pour ça. Oui, tout à fait. Souvent, c'est un pari qu'on fait, mais c'est des paris qui sont pas trop durs, parce que si on leur enseigne les bonnes conditions, si elles ont le savoir-faire, c'est juste un accompagnement après. Donc, mes futurs apprentis sont là, on va continuer, et je pense que c'est vraiment la bonne solution. C'est un métier qui est très compliqué, et qui continue surtout. Et croire en ce métier, même si en ce moment c'est dur, mais faut pas lâcher l'affaire. Le distinguo, c'est où? À Courcouronnes, Évry Courcouronnes. On vous applaudit aussi parce que on a rendu hommage à ses maîtres d'apprentissage, monsieur Giroudon. Et voici le proviseur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut, lorsqu'on voit les élèves dans la cour de récréation, puis en classe, se dire... Là, je l'envoie chez telle personne parce que ça va matcher tout de suite. Parce que ça part de là. Visiblement, le maître apprentissage me dit, j'ai apporté, mais il y avait déjà le travail avant.
complètement. Et puis avec M. Noret, il y a aussi, c'est un exemple du lycée professionnel public. On est à le CFA, c'est le CFA académique de l'académie de Versailles. Et Sarah fait le lien parce qu'elle a commencé en bac pro avec une formation initiale, voilà, donc à découper des beaux poisons comme on a vu. Et après à continuer avec M. Noret sur le distinguo, mais qui, et on peut que le remercier, prend aussi les élèves en formation initiale. Juste avant, on discutait, je crois qu'il en avait trois. Ou, voilà, enfin, régulièrement, on signe des conventions avec lui. Et après, effectivement, quand il peut conclure un contrat d'apprentissage avec des élèves comme Sarah, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Voilà. Je remercierai oui. aussi, parce que voilà, on a eu aussi l'honneur d'avoir, grâce à M. Lefebvre, préfère la relance, les inviter au cours d'une réunion et à déjeuner les entreprises qui sont pour certaines présentes ici et qui ont bénéficié du plan. Et c'était vraiment tout un honneur de, dans cette période voilà, difficile, de pouvoir montrer qu'au lycée Château des Coudray, il y avait l'accueil et un savoir-faire dans ces métiers. Voilà. Bravo à vous trois, à vous cinq, à vous huit. Voilà, tout le monde était sur scène. Pour les micros, on gère. Merci encore. Chaque année, c'est vraiment une catégorie bonheur, parce que ces belles histoires, elles nous régalent. Alors, petit spectacle, petite animation. Elle s'appelle Karine Laurent. Elle est pharmacienne au départ. Et puis, elle s'intéresse à la question de la détente et de la relaxation du sport en entreprise. Et elle va vous montrer concrètement comment ça se passe. Je vous demande de l'applaudir bien fort, Karine Laurent. On va vous donner un micro et vous allez nous faire une petite démonstration. Alors, je ne vous cache pas qu'avec le passage de Jérôme Brett tout à l'heure, on s'est un petit peu détendu. Oui. Mais bon, on en a besoin. Mais donc, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour les 91 d'or. Je vous propose, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que Frédéric vous fasse les démonstrations de mouvement. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, bon. Et Jérôme, ce n'était pas prévu non plus pour moi, cher Jérôme Brett. Donc, il est parti du coup. Alors... Juste, évidemment, je voulais revenir à des choses essentielles. Hein. Le quotidien, c'est quoi? C'est tout simplement, Frédéric et vous toutes et tous ici, c'est bien respirer. Alors, bien respirer, pourquoi? Je reviens sur des choses essentielles, mais basiques et primaires, comme dirait la chanson simple, basique. C'est tout simplement que quand vous allez bien respirer, vous allez capter un maximum d'oxygène, oxygéner de façon optimale votre cerveau et tout votre corps, que ce soit vos organes et également vos muscles. Donc pour optimiser votre respiration, vous allez toutes et tous le faire ensemble, en même temps que moi et Frédéric ici aussi. On va tout d'abord prendre sa main droite. Vous allez mettre votre main droite sur votre clavicule gauche. C'est bon pour tout le monde ? Alors la clavicule, c'est juste en dessous de l'épaule. La clavicule, c'est ici. Bon, ça permet aux gens qui ne savent pas situer leur clavicule, vous me regardez et vous regardez surtout Frédéric. S'il le fait mal, vous me le dites. Hein. Du coup, après, on va aller incliner la tête du côté droit. Voilà, comme ceci. D'accord. Vous allez maintenant fermer les yeux, écouter ma voix. Voilà, vous allez tous vous endormir. Donc, vous inclinez la tête côté droit et vous allez, en même temps que vous allez incliner la tête côté droit, la mettre le plus à droite possible en arrière. C'est bon pour tout le monde. Le plus à droite possible et en arrière. Et en même temps, maintenant, vous allez essayer avec votre menton de vraiment essayer de mettre votre menton vers le plafond, vers le ciel. Et vous allez inspirer et souffler le plus longtemps possible. Donc, je répète, la tête est à droite, le plus en arrière possible. J'inspire et je souffle longtemps, 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 longtemps. Je le fais plusieurs fois. Vous allez remettre la tête au milieu tout en fermant les yeux. Vous enlevez la main droite de votre clavicule gauche. On va faire de l'autre côté, vous fermez toujours les yeux. Main gauche sur la clavicule droite. Je vais incliner ma tête cette fois-ci du côté gauche, le plus en arrière possible. Et vous vous souvenez, donc la tête est à gauche, le plus en arrière possible. Et vous allez essayer avec votre menton de toucher le plafond, pareil que tout à l'heure. Vous inspirez et vous soufflez longtemps.
longtemps, longtemps, jusqu'à presque tousser. Dès que vous avez plus d'air, vous re-inspirez, bien évidemment. Vous le faites plusieurs fois. Vous revenez la tête au centre, tout en fermant les yeux. Et quand votre corps vous dit « OK », vous rouvrez les yeux. Bienvenue au 91 d'or. Merci, l'ai-je bien fait ? Donc, alors, Frédéric l'a très bien fait. Vous avez vu, pour un peu vous expliquer ce qui s'est passé, on étire tout simplement des muscles. Alors, vous pourrez comme ça vous la raconter un petit peu en soirée, que sont les SCOM et les SCALEN, qui sont tout simplement des muscles qui permettent une optimisation respiratoire. Et je vous le dis, bien respirer, c'est être aussi efficient au quotidien. Merci beaucoup, Karine Laurent. Karine Laurent, pour ce petit moment de détente. Nous continuons le prix de, nous y sommes, la qualité de vie au travail. Quand on va faire des travaux, c'est leur savoir-faire et puis le goût des belles choses qui vont permettre d'arriver à une finalité extraordinaire. On reste fidèle aux anciens qui travaillaient le stuc, qui travaillaient les faux marbres, les faux bois et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'en 20 ans, on s'est spécialisé dans tout ce qui est donc décoration vraiment très très raffinée et très fine. Et on explique, en plus du conseil, on essaye de projeter les gens dans la finalité de nos travaux. Donc c'est vrai que j'ai une équipe formidable, quoi. C'est des gens de grande valeur qui sont formés. Parce que c'est ça en fait la décoration, il faut être très créatif. Parce qu'un peintre classique n'aurait pas forcément ce goût de la perfection quand on fait des filages et autres. Et donc voilà, c'est ça. C'est, en fait, c'est la passion des gens qui font qu'on embellit encore plus les choses. Quoi. La créativité qui amène à l'épanouissement, la qualité de vie au travail. L'artiste, c'est Cédric Bernon. Le dirigeant d'APG, Cédric Bernon, un artiste, peinture, alors haut de gamme, hein, on travaille à l'ancienne, on l'a vu un petit peu sur le film, et le partenaire, eh bien, c'est Fabien Dora, le président de la Fédération française du bâtiment Essonne. C'est bien, avec le tchèque, on est raccord. Là, tout ce qui est Covid, on est très bien. On est parfait. Allez, hommage, là, on est dans l'artiste. Hein. Oui, alors avant de parler de Cédric, je voudrais tout d'abord remercier mon ami Henri d'avoir organisé cette cérémonie. Je sais combien elle lui est chère et je suis très heureux qu'on puisse se retrouver ici pour mettre en valeur toutes les entreprises, les pépites essonniennes. On les a toutes vues, enfin on en a vu beaucoup en tout cas, et c'est vraiment très agréable de pouvoir voir à quel point ce territoire est riche. Donc merci encore Henri, merci de nous donner aussi la possibilité de parler de la qualité de vie au travail dans le bâtiment. Parce que c'est pas un secret, tout le monde décrit nos métiers en disant que c'est un métier difficile, un métier compliqué, et on a un peu de mal à attirer parfois les talents vers nos métiers, et pourtant... On en vit très bien de nos métiers, c'est toujours très agréable d'être sur un chantier, on voit beaucoup de gens, il n'y a jamais un chantier qui se ressemble, il n'y a jamais des personnes qui se ressemblent, un client n'est jamais le même, et donc on apprend beaucoup aussi des uns et des autres, et je trouve qu'aujourd'hui, la qualité de vie au travail, dans nos métiers du bâtiment, elle est présente, il y a pas mal de gens du bâtiment ici, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un très beau métier. Voilà, et je trouve que Cédric l'incarne aussi bien, alors ça m'embête un petit peu parce que, on est concurrents dans la vie. donc voilà, mais enfin voilà, donc, mais je suis très heureux de te remettre ce prix au nom de la FFB, bien sûr. Et puis je vais te laisser parler un petit peu de la qualité de vie dans ton entreprise. Cédric Bernon, alors je mettais finalement en avant le côté créatif, donc l'épanouissement de tous ceux qui travaillent sur vos différents projets. Ça aide pour la qualité de vie au travail, de voir la réalisation. Tout à fait, c'est vrai qu'on fait un métier qui est... On fait un métier oui, qui est bien vraiment... Comme ça. Parfait. C'est bon. On y va. Donc c'est vrai qu'on fait un métier qui est quand même assez exceptionnel parce qu'on fait des petites choses très, très raffinées et comme disait Fabien, on peut pas aller vite dans notre métier. Sinon c'est forcément bâclé, comme c'est de la décoration très, très raffinée, mais on fait des cages d'escalier avec des filages façon pierre où là, des fois, on peut mettre 2 mois pour réaliser une cage d'escalier de 6 étages. Donc voilà, je pense que la qualité chez nous, ça fait 22 ans qu'on exerce et qu'on fait ce métier. Les salariés
restent chez nous parce que voilà, ils sont bien. Tout simplement, c'est vrai. Quelle est votre accroche? Parce que quand vous réunissez vos salariés, vous leur dites, bon voilà, on va faire ça, et une fois que le projet est défini, ça y est, la magie a pris. Quoi. Non, alors, le bâtiment, c'est pas souvent comme ça. Hein, on a souvent des aléas, d'ailleurs on pense... Oui, mais dans votre cas, finalement, on s'en approche. Si, enfin, pour l'instant, on n'a jamais encore fait un chantier sans accro. À chaque fois, il y a des petits aléas, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Et bon, on s'en sort toujours, mais des fois, c'est un petit peu plus long et ça ronge un peu nos marges. Et Fabien rigole parce qu'il sait ce que c'est. Parce que vous êtes concurrent aussi, c'est ce qu'il a dit. Tout à fait. Hier soir, il m'a dit qu'on était confrères, mais... on est d'abord amis dans la vie, mais on est aussi confrères, en effet. Voilà. Et je vais jusqu'au bout de ce parallèle entre vous, les spécialistes du bâtiment, et les artistes, finalement. On n'est jamais très loin au niveau de la frontière. Merci, messieurs, on vous applaudit. Merci, MEDEF Essonne. Je voulais juste remercier ce soir le MEDEF, parce que c'est important, c'est une belle soirée. Fabien m'a pas menti, il m'a dit, tu verras, tu passeras une soirée super sympa. Merci à vous. Merci à la Fédération Française du Bâtiment de nous avoir nominés avec tous ces talents. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée, messieurs. Nous passons maintenant au prix de la croissance interne. On va grandir ensemble. Nos clients vont grandir avec nous et on va grandir aussi avec nos collaborateurs. À l'heure actuelle, le métier d'expert comptable est en pleine mutation. Et donc l'objectif du cabinet, c'est de suivre cette mutation pour justement pouvoir développer des missions complémentaires et spécialisées pour apporter plus de conseils à nos clients. Le but est d'accompagner l'entreprise, mais aussi son dirigeant. D'où notre management participatif, pour avoir un maximum d'idées à mettre en place. Après 4 ans, je trouve qu'on a bien bossé, quoi. Et c'est aussi une fierté d'avoir pu, à partir de 3 personnes initialement, et arriver à 18 collaborateurs aujourd'hui en seulement 4 années. Donc on a dépassé tous nos objectifs prévisionnels. Et j'appelle Claudia Patricio Pires de CSC comme conseil. Nous partons à Milly-la-Forêt. Elle va nous parler de ce management participatif. Et vraiment, coup de chapeau, vous l'avez entendu, les chiffres. Hein. On reprend, il y a 3 employés, on les garde. Et maintenant, ça fait 18. Le partenaire, j'appelle Claire Rothfuss, chargée du développement économique à la communauté de communes des Deux-Vallées. Alors, le partenaire, voilà, ici. Vraiment, c'est un sans faute. Hein. Inès et Elisa, bravo. Vraiment. Et je vois, alors, vous ne le voyez pas parce que c'est en coulisses, mais à chaque fois, il y a les lingettes qui s'amoncellent. Hein. Et à chaque fois, c'est tout propre. Allez, déjà avec vous, chère Claire Rothfuss, un mot sur votre lauréat qui a tout compris de l'histoire humaine, finalement. Ça. Alors tout d'abord, je prie d'excuser mon président Pascal Simoneau qui n'a pas pu venir ce soir et qui n'a pas le plaisir du coup de rendre ce prix à Cyril Herbillon et Claudia. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir de le faire. Moi, à mon niveau de technicienne, c'est un grand plaisir de vous avoir accompagné et de vous suivre encore aujourd'hui dans cette aventure. Vous avez l'objectif aussi, l'intercommunalité, c'était de développer cette zone d'activité à Milly-la-Forêt et vous y contribuez aussi très largement. Je tiens aussi à souligner que, au-delà de cette activité-là d'expertise comptable, ils ont aussi créé un tiers-lieu, un espace, un centre d'affaires avec espace coworking qui, en milieu rural, hein, puisque nous sommes en milieu rural dans les Deux-Vallées, contribue beaucoup à l'émulation, à la rencontre entre entreprises, et vous devancez aussi les besoins à venir en termes de télétravail et de pour permettre à ces entreprises-là aujourd'hui de travailler ensemble. Merci. Alors vous êtes venus tous les deux finalement. Alors je vais vous faire une confidence. Au départ, j'avais sur ma fiche vos deux noms, et puis on me dit il n'y aura que Claudia Patricia Pires. Vous me rappelez le prénom? Cyril. 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 Et qui est là?
Le management participatif, on en parle ? Parce que, alors, je vous fais pas offense, mais c'est vrai que bon, le métier de comptable, surtout quand on fait l'idiot sur scène, ça fait toujours un peu peur. Donc, faut trouver des petites astuces. Rapprochez-vous, en tout cas. Voilà. Alors, c'est quoi l'astuce pour rendre la vie plus belle ? L'astuce, c'est de rester nous-mêmes, d'intégrer nos collaborateurs à notre développement et de construire le cabinet tous ensemble. Et pas juste nous les dirigeants, puisque le cabinet se construit et s'est développé sur ces 4 années, mais aussi grâce à nos collaborateurs. Il n'y a pas de petits ou de grands, on est tous au même niveau et on grandit tous ensemble. C'est finalement la plus grande fierté, hein. On part de ces 3, allez on les garde, c'est pas évident hein, pour tout le monde. Hein. On arrive à 18, un exemple du management participatif ? Aujourd'hui, on a créé différents pôles de décision. Donc, on a créé un petit comité de pilotage où toutes les idées, on fait du brainstorming pour justement essayer de développer, de trouver des nouvelles idées innovantes à notre niveau dans l'expertise comptable et essayer de trouver des idées également pour accompagner nos clients et que nos collaborateurs aussi se sentent imprégnés de cette innovation et de cette culture qu'on souhaite créer au sein du cabinet. La force, c'est de faire comprendre à ceux qui travaillent pour vous que ça vient d'eux, finalement. La force, c'est surtout qu'ils se sentent investis dans le développement du cabinet, parce que, comme dit très bien Claudia, aujourd'hui, le développement, il est lié à nous deux au départ, mais sans les 18 personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, on n'aurait pas pu se développer aussi rapidement en 4 ans. Le témoignage aussi des évidences, mais des incontournables. Bravo à vous, je vous le rappelle, CLC comme conseil. Les experts comptables humains. Nous avançons, on s'approche de la fin. Le prix maintenant de la croissance externe. Nous apportons des briques technologiques à nos clients pour qu'ils puissent innover. Syscom ProRep est un intégrateur et distributeur de solutions électroniques. Pour cela, on couvre 5 catégories de produits, allant de la connectivité qui permet de relier les équipements entre eux, l'affichage, les systèmes embarqués qu'on va trouver dans des kiosques par exemple, du composant électronique et des capteurs, et pour finir, des alimentations, souvent des batteries. Ça demande beaucoup d'échanges, c'est un process assez long, en moyenne ça prend 18 mois, entre le moment où on commence à discuter avec les clients et les solutions partent en pleine production. C'est donc une étape dans notre développement et va être un palier pour les étapes suivantes. Il faut savoir que depuis 2013, nous avons réalisé 7 acquisitions. Là, ça nous permet de repartir sur une base pour les prochaines étapes qui seront donc des acquisitions dans des pays limitrophes de la France. Ils sont inarrêtables, Syscom ProRep, avec Régis Dumanoir, le président, et Hervé Dunant-Gauthier, le directeur général. Les deux sont là avec nous. Bienvenue, Syscom ProRep. Et pour remettre le prix, nouvellement élu, nous en avons parlé tout à l'heure, Patrick Racotosson, la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Essonne. Bonsoir. Patrick Racotosson, alors déjà un mot, parce que bon, pour nous, béotiens, c'est vrai que tout ce qui concerne les technologies électroniques, on est tout de suite perdus. Eux, ils sont plutôt bien organisés, ça se développe. Ce sont des champions. Ils sont vraiment très forts et c'est un immense honneur pour moi, nous fraîchement élus, de pouvoir vous remettre ce prix, parce que ce sont les champions de la croissance externe, ce sont les champions du sourcing. Parce que je crois savoir que déjà vous avez repris 2 sociétés entre 2019 et 2021. En termes de sourcing, avec les difficultés d'appro qu'il y a en ce moment, eh bien vous avez réussi à réorienter votre recherche. Et puis en même temps, vous avez continué à développer vos marchés, à augmenter votre chiffre d'affaires et à vous entourer de consultants experts. Et c'est là que la Chambre de commerce intervient. Parce que la Chambre de commerce a cette chance et cet honneur de pouvoir les accompagner, à la fois pour pouvoir capter des dispositifs PME,
mais aussi pour les accompagner sur la conquête d'un marché en Allemagne. Oui, alors... Bon, il y a alors déjà, qui... alors, allez-y. Qui commence ? Régis Dumanoir ? Oui, oui, j'y vais. Le président ? Oui, j'étais directeur général il y a 6 mois. On change régulièrement. On est vraiment une organisation bicéphale. Hein. Donc, le titre n'est pas très important. Hein. Alors, une réaction déjà à ce que Patrick Racotosson vient de dire. Oui, alors déjà, l'acquisition, les croissances externes sont quelque chose qui font souvent peur un peu aux PME parce que c'est un langage, c'est une approche avec les banques, etc. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est des très belles aventures humaines. On a un tissu industriel beaucoup de personnes qui ont monté des entreprises dans les années 80, entre autres dans l'électronique, qui veulent partir à la retraite, et ils ont cette problématique de transmettre. Et quelque part, ça donne des opportunités d'acquisition, de continuer des histoires. Et là, une des stratégies qu'on a toujours eues, c'est de mettre vraiment l'humain. Donc on a en fait utilisé ces acquisitions comme accélérateur de croissance, en capitalisant sur des équipes qui étaient déjà en place, des experts qui connaissaient leur métier, et qui arrivaient avec des clients et des fournisseurs. Hervé Dunant-Sautier, donc directeur général. La période, alors on parlait finalement de reprise d'entreprise. Est-ce que cette période a été propice à votre développement ? Toutes les périodes sont propices au développement. Il faut simplement savoir en tirer la substantifique moelle. S'adapter. L'électronique, c'est un peu le sel de l'industrie. Hein, il y en a partout. Hein. Donc, là, on est en train de se rendre compte que manger des plats pas salés, c'est pas bon. Donc on sait réagir par rapport à ça et on s'est adapté en développant à travers certaines de nos acquisitions, en développant, comme l'a expliqué monsieur, des capacités de sourcing, des capacités d'aller chercher des composants bien cachés, principalement en Asie, parce qu'eux continuent à produire et continuent à produire pour eux. Donc l'idée, c'est d'aller capter ces volumes-là pour aider l'industrie française à pouvoir continuer à produire avec nos modestes moyens. Vous avez un pays fétiche où vous allez souvent ? Où on va souvent acheter, effectivement, beaucoup de choses se passent en Asie, beaucoup de choses se passent en Chine. Il faut savoir acheter en Chine. Il y a du très bon, il y a du très mauvais. Il faut faire extrêmement attention à la qualité des produits qui sont vendus. Il faut savoir être introduit, créer un relationnel. Donc on connaît assez bien la Chine, Taïwan, Japon. Merci et bravo à vous. Merci à vous. Merci. On va peut-être profiter de la présence de Patrick Racotosson, donc nouvellement élu. Un mot du nouveau président. Moi, c'est très gentil. C'est mon premier mot et ma première pensée sera pour Henri de Monceau, qui a été, durant cette campagne, un fervent partenaire. Les organisations patronales et les grandes fédérations, patronales CPME, les grandes fédérations du bâtiment, des travaux publics, des SCOP. Mais Henri de Monceau, au travers de sa force de conviction, de sa capacité à réseauter, a été vraiment un grand ami durant cette campagne. Et en plus, pour couronner le tout, il m'a fait connaître sa directrice générale, Île-de-France. Merci Henri, j'ai vraiment beaucoup d'égards. Très agréable. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne est une chambre qui est très dynamique. Nous avons renouvelé nos élus de 50%. C'était très ambitieux. C'était notre volonté, c'était ma vision. Et nous avons, au travers de ce renouvellement, réussi à développer un vrai partenariat avec les organisations patronales, puisqu'elles nous constituent. Mais nous avons également, et c'est mon cas, je ne suis affilié à aucune des organisations, et elles ont vraiment fait preuve de grande ouverture, parce que ce que nous défendons, ce sont les entreprises. Si vous avez des projets, si vous avez envie d'aller loin, si vous avez envie d'innover, si vous avez envie de vous faire accompagner, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne est là pour vous, et est là à votre service, avec ses collaborateurs experts, je précise. Ce sont vraiment des experts, experts en toute matière, et le terme de Chambre de commerce et d'industrie n'est pas usurpé, bien au contraire, il est mérité. Patrick Racotosson, le nouveau président. Merci. L'avant-dernier prix remis ce soir, le prix de la recherche fondamentale. Ce projet est un lieu où se rencontrent l'art, l'agriculture et l'architecture. Et on développe une ferme autour du chanvre pour des transformations diverses, qui sont des transformations dans le domaine de la construction, des transformations dans le domaine du textile,
et des transformations dans le domaine qu'on appelle le domaine liquide, qui peut aller du CBD à l'huile de chanvre jusqu'au gin, l'alcool à base de chanvre. Nous avons fait donc des analyses et nous avons travaillé sur une agriculture raisonnée, consciente et précise. Vous pouvez transformer toute la plante. L'huile se fait avec les graines, la fibre se fait avec l'extérieur de la tige et le béton de chanvre se fait avec la chenvotte. L'objet fondamental de notre recherche est un objet vert. On en tire toute l'énergie, toute l'histoire, que ça peut prendre de la valeur. Et donc, grand lauréat, la ferme du Marais, victoire de Pourtalès. Victoire de Pourtalès, la dirigeante. Elle a aussi, alors, madame et monsieur sont venus. C'est un couple. Au départ, il y en a un des deux qui est parisien. Et puis, on se retrouve dans le bonheur de cette belle campagne, dans le village du Marais, à côté de Dourdan, de Val-Saint-Germain. La culture du chanvre, on en parle. Pour remettre symboliquement le trophée, j'appelle Rémi Boyer de la communauté de communes d'Ourdanais en Urepoix, qui nous rejoint. Rémi Boyer. Alors là aussi, vous êtes deux. Alors, donc, je suis bien organisé, j'ai mes fiches. Et vous me redonnerez votre prénom. Et puis, vous me direz, vous deviez être deux, vous ne deviez pas être oui, deux. Oui, avec José Correa, donc le vice-président du développement développement économique de la CCDH. Voilà, et aussi durable. Alors, je me mets entre vous quatre. Un petit mot, déjà, sur la ferme du Marais. Ah bah, la ferme du Marais, donc, c'est au Val-Saint-Germain. Donc, c'est un patrimoine historique important du Dourdanais, hein, puisqu'il y a le château du Marais. Et puis donc Victoire et Benjamin ont lancé une nouvelle activité innovante en recherche fondamentale et forcément ça nous a interpellés puisque à travers, bon, je ne vous ai pas parlé de l'arène, mais en tout cas il va aussi y avoir une arène qui va permettre des expositions, des événements importants et donc du faire venir sur le territoire du Dourdanais. Et donc vous pourrez enfin découvrir ce territoire puisque je vous le rappelle qu'il est bien en Essonne et en Île-de-France. À vous. Et ce territoire, pour continuer avec Rémi, c'est à la fois bucolique, le sud d'Essonne, comme chacun sait, est bucolique, mais il est également entreprenant. Et ce qui nous a vraiment très intéressés, c'était la culture sous toutes ses formes, la culture culturelle et l'agriculture. Et Victoire et Benjamin ont réussi effectivement à allier ces deux choses, et à la suite de ça, de faire du bâtiment avec du chanvre, et du béton de chanvre. D'ailleurs, il y aura effectivement des portes de 12 mètres de haut faites avec du béton de chanvre. Donc, bravo pour l'innovation. Alors, nous vous tenons tous les deux. Il y a pas mal de questions. Victoire, pardonnez-moi, mais ça veut dire qu'il y a au départ cette plante qui a mauvaise publicité ? Alors, le chanvre est une très vieille plante qui se faisait énormément d'ailleurs dans l'Essonne, et c'est le cousin du cannabis. Mais donc c'est une entreprise qu'on a réalisée avec mon mari, et on s'est beaucoup intéressé au chanvre dans le sens que c'est une plante totalement écologique et qu'on peut la transformer entièrement. Donc comme on vous le disait, on a développé trois filières qui sont très importantes avec chacune des personnes qui dirigent le côté fibre, qui est important pour tout ce qui est textile. Mon mari peut-être va vous parler un peu de la structure. Bonsoir. Alors on est presque le dernier prix, donc on se sent très important parce qu'on a tout écouté. Et... Ah, on monte en intensité. Je voulais vous féliciter pour vos talents. Bah, merci. Parce que vous avez rendu cette soirée formidable. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut rendre hommage à monsieur. Merci Benjamin. Merci. Non, vraiment, c'était un plaisir de vous écouter et de voir tous les lauréats. J'étais assez impressionné par le fait, je voudrais parler des autres lauréats avant de parler de notre projet, par le fait qu'on est les premiers agriculteurs. Et moi, quand j'ai débarqué en Essonne... C'est vous le Parisien au départ, hein, c'est non, ça ? Non, je suis du Nord, d'un autre département, mais j'ai vécu à Paris assez longtemps. Quand je suis arrivé en Essonne, on m'a dit l'Essonne, c'est coincé entre deux autoroutes et au milieu, c'est la campagne. Et je me suis dit, c'est pas mal ça, parce qu'on est très proche de Paris. Donc le Grand Paris, ça a du sens, il y a Saclay. Et en fait, pourquoi ne pas... on a discuté autour de l'idée de faire... Mais est-ce que c'est possible de faire le cognac, la champagne, adapté à une ferme de matière ?
Et donc on a réfléchi à cette idée de ferme de matière, on a voulu créer un protocole agricole où on fait travailler les artistes, Victoire a une formation plutôt dans l'art contemporain, les scientifiques, donc on espère faire des relations avec le plateau de Saclay notamment, et les agronomes, et faire la plus belle matière possible. Et après, c'est vrai que ce qui est formidable avec le champ, c'est qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'irrigation. Et donc, on a décidé de créer trois unités de transformation, le textile, pour faire un grand chanvre de Paris pour les grandes marques de mode parisiennes, du béton, pour faire des... Vous savez, quand Haussmann a construit le Grand Paris, il est allé chercher une carrière dans l'Oise qui s'appelle la carrière de Saint-Maximin, qui est à 42 km à vol d'oiseau. On est à 34 km à vol d'oiseau de Paris, donc on pourrait devenir la nouvelle pierre de Paris, c'est notre ambition. D'autant qu'il y a quelques travaux à Paris, paraît-il. Il y a les Jeux Olympiques aussi, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et je voudrais le dernier, c'est le liquide. Alors, vous connaissez l'essor du CBD, l'huile de chanvre, donc il y a beaucoup de divisions. Et je voudrais juste terminer par dire que nous, on est des entrepreneurs, mais on a conscience qu'on ne sait rien. Et comme on ne sait rien, on a pris pour chaque division un spécialiste du domaine, qui est notre partenaire, qui ne sont pas là ce soir, parce qu'ils sont tous en train de travailler. Nous, on ne travaille pas, on reçoit les prix. Et qui sont chacun des spécialistes dans la construction, dans le textile et dans le liquide. Et je voudrais dire juste une dernière chose, parce que je pense que c'est... Victoire, tu devrais parler de ça. C'est qu'on a, beaucoup d'artistes en résidence. Et une des artistes qui était en résidence il y a 3 semaines nous a dit qu'il faudrait qu'à chaque conseil d'administration d'une grande entreprise, il y ait un artiste. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Et on conclura là-dessus. Non, je pense que, en effet, voilà, on est dans une région qui est magnifique et il y a beaucoup d'artistes. On oublie un peu aussi de parler de toutes ces de ces artistes qui ont vécu là. Donc nous, on trouvait ça vraiment important de remettre aussi et d'inviter des artistes en résidence qui travaillent autour du vivant. Le vivant, c'est une problématique à laquelle on doit tous. Regarder, se préoccuper. Je pense que les artistes sont souvent aussi précurseurs, donc c'est très intéressant pour nous de les faire travailler. Et c'est vrai que le lieu, c'est comme disait Rémi Boyer, donc on va créer une arène biosourcée et on travaille avec un architecte qui s'appelle Kulapatian Satras, qui est de Bangkok, qui va créer donc tout le stade en béton de chanvre. Donc ça sera un lieu aussi ouvert au public, un lieu pour se ressourcer. On croit, moi j'ai travaillé donc dans les musées, dans les galeries parisiennes, et je crois beaucoup aussi à la culture. La culture enfin, liée à l'agriculture, à toutes ces problématiques aujourd'hui, et aussi l'art qui est placé à l'extérieur et accessible à tous. Il va s'en passer des choses dans le village du Marais. Voilà. On dira plus, tiens, le Marais, c'est le quartier parisien. On dira, tiens, le Marais, c'est le nouveau Marais. C'est dans le Dourdanais. on fait une petite conclusion. Oui, c'est la conclusion. Ouais. C'est juste de remercier les élus parce qu'ils nous ont donné confiance. On n'a pas encore eu beaucoup de financement de l'État. Ben, on va en parler avec monsieur. Peut-être, mais il nous connaît. Hein. Il s'identifie très bien. Je pense qu'il va se passer des choses au cocktail. Ça va c'est discuter. Ça, c'est l'idée. Mais en tout cas, on veut vraiment remercier. Victoire et Benjamin, merci. Merci, bravo. Bravo à vous, la ferme du Marais. Là, on reste en fait. Et puis, le 18e, le dernier prix, le prix du plan de relance réussi. C'est du travail à la demande. On n'a fait que des pièces optimisées, personnalisées, essentiellement des pièces aéronautiques, des pièces aussi pour de l'industrie ou des centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'Alorsta est une entreprise industrielle, donc avec des opérateurs, et qui représente environ 50% de l'effectif de l'entreprise. Et on a 50 autres pourcents qui sont plus du support à la production ou des services. Comme par exemple la conception des produits, leur qualification, leur test intensif et tout un tas de documentation qu'il faut fournir aux clients pour garantir la qualité. La relance, je pense qu'elle est réussie, c'est même se mettre sur une rampe de lancement, c'est vraiment retrouver un chemin de croissance un peu différent probablement de ce qu'il était avant, mais pour les années futures. Et on se projette vraiment sur les 10 prochaines années de l'entreprise et sur sa croissance future. Le grand lauréat, il est le dirigeant de Senior Aerospace, Kalorsta.
Xavier Bringue pour Calorstar, Senior Aerospace, le dirigeant à Dourdan. Et puisqu'on était à Dourdan, on appelle la communauté de communes du Dourdanais en Urepoix. Retour de Rémi Boyer. Encore tous les deux. Vous êtes inséparables. On est des jumeaux. Bon, on l'a bien compris, on termine sur un beau symbole. On est dans l'aérospatiale, dans l'aviation. Alors pas que, hein, y a aussi l'automobile. Et en ces temps difficiles de Covid, forcément, il fallait être fort pour se relancer. C'est réussi ? Ben écoute, nous, on est très, très heureux de remettre le prix à Xavier, hein, qui est un entrepreneur de Dourdanais de longue date et donc très fidèle. C'est aussi une vraie réussite du plan de relance et, à travers la relocalisation, à travers, on en parlait tout à l'heure, le dispositif « Un jeune, une solution ». Et donc, c'est important et c'est même fondamental pour nous, hein, de pouvoir compter sur des entrepreneurs de cette qualité. Et en plus, bon, il est modeste, mais grâce à Xavier, on s'envoie en l'air, puisqu'il fait aussi des outils pour aller dans les avions. Voilà, restons quand même tout bien, tout honneur. Dans les fusées, peut-être même aussi. Également. Absolument. Donc on s'envoie encore plus en l'air. Encore plus en l'air, je voilà. Je ne sais pas jusqu'où on ira. Il n'y a pas de limite. Oui, je compléterai simplement par le fait que M. Bringues embauche pas mal de gens localement. Je suis même le maire de Corbreuse, et en plus d'être vice-président à la CDH, au développement économique, et il a effectivement quelques habitants de mon village qui travaillent chez lui. Et en plus, c'est que par rapport au plan de relance, on parlait tout à l'heure de besoins d'État, et bien grâce à l'aide de l'État et au financement qu'il a obtenu, il a rapatrié toute une unité de production qui était à l'étranger, qui a relocalisé sur le Dourdanais et sur Dourdan précisément. Combien d'habitants à Corbreuse ? 1800. 1800 ? Et plus à venir. Avançons-nous. Cher Xavier Bringue, hein, on dit Bringue, Bringue ? Bringue. Ouais. Il y a des petits pièges. B-R-E-N-G-U-E-S. On ne prononce pas le S ? Non plus. Voilà. Mais il est tout seul, hein, et même s'il y a un S. On est nombreux dans le. Il n'est pas au pluriel. On s'envole, on fait la Bringue. Voilà. Écoutez comme je vais rebondir. Mais une activité plurielle. Ah, absolument, bravo. Absolument. Bravo. Ah. Allez, bonne, allez, bonne. C'était le secret de la réussite pour rebondir, parce que seul dans l'aéronautique. Ah ben, c'était, on savait pas trop comment on allait sortir de cette crise. Elle était vraiment très très violente et dans notre secteur qui plus est. Donc on a vraiment joué le, on a utilisé les mesures d'État qu'on pouvait pour le plan de relance. Et donc on a bénéficié d'une aide de France Relance pour une relocalisation. Donc une usine qui est fermée aux Pays-Bas, et on a ramené cette usine pendant le plan de relance. Enfin, pendant la crise du Covid, ça a été un challenge extraordinaire, parce que avec les mesures sanitaires, envoyer du personnel et se former, c'était très compliqué. Et on a ramené l'équivalent d'une usine de 100 personnes en France. Donc pour l'instant, évidemment, le business n'est pas encore tout à fait ce qu'il était à une époque, mais on a déjà une quinzaine d'emplois sur Dourdan. Qui sont issus de ce transfert, et ça va monter sans doute à plus de 30 emplois et plus d'une centaine en France entre les fournisseurs et un autre site aussi qui est concerné par cette relance. En début de soirée, il était fait référence au bassin économique autour d'Orly, hein ? Absolument, mais l'Essonne est vraiment une terre d'aéronautique. Je crois que la région parisienne, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Avec Toulouse, là, il y a un gros débat, quelle est la première, quelle est la deuxième, mais je crois que même c'est la région parisienne qui est la première région aéronautique de France, avec un client, un très gros client par exemple, qui est Safran, qui est premier employeur de l'Essonne. Donc il faut vraiment qu'on sache que c'est vraiment une terre d'aéronautique, terre de spatial. Donc la fusée Ariane est un gros client pour nous, donc il y a beaucoup d'activités extraordinaires qui sont faites dans cette région. Bon, puis peut-être un jour avec SpaceX aussi, de l'autre côté, Elon Musk et tout, il viendra vous voir. Alors on est très heureux de ce qu'a fait le gouvernement, parce que les Américains, ils ne donnent rien aux étrangers, hein, globalement. Ah bon ils sont très très protectionnistes, surtout dans ces domaines-là. On était sans doute très naïfs à une époque, et on voit qu'il y a eu un complet changement de paradigme, et nous on est vraiment des pros du « Made in France ». Du made in Dourdan, si je peux dire aussi, de l'emploi local. Notre supply chain est quasi exclusivement française, et elle est même très locale, elle touche les départements autour. Donc on irrigue directement tout l'argent qui a été investi
Ben, il est directement investi dans l'Essonne et dans les départements autour. Et ça, c'est vraiment très important. Xavier Bringue, voilà. Dirigeant de Senior Aerospace Calorsta. Voilà. Et si tu le permets, je dirais que Xavier est la démonstration que le Sud-Essonne, c'est à la fois une terre agricole, comme on l'a vu au prix précédent, et une terre industrielle, avec l'implantation de Senior Calorsta et d'autres entreprises industrielles. Voilà, je voulais aussi profiter pour remercier pour cette excellente soirée l'ami Henri. Qui va venir nous rejoindre. Oui, Henri, oui. Parce que lui aussi, il est de notre territoire, et donc on est aussi une terre de territoire avec des jeunes qui s'investissent. Il va pouvoir récupérer le quatrième micro et le petit mot donc à Henri, oui, juste. Et donc je disais que lui aussi, il est de notre territoire, et donc on a aussi un territoire d'hommes qui s'investissent, voilà. Merci à vous, merci. Bon retour à Corbreuse. Merci. Ça y est, Henri. Merci, Rémi. C'est vraiment un plaisir, ces entreprises. Ouais, c'est comme si on assistait finalement à un grand documentaire. Je suis impressionné et touché par tous ces remerciements que je reçois ce soir, y compris de toi, Patrick. Mais c'est un travail d'équipe, hein, c'est ce que je veux dire. Je ne suis pas l'homme orchestre, hein, peut-être un tout petit peu le chef, mais en tout cas, il y a beaucoup de violonistes, de pianistes et de trompettistes dans mon orchestre, et ça marche bien. On improvise un peu ce soir. Monsieur le préfet Jallon s'est fait remplacer par Nicolas Lefebvre. Le sous-préfet à la relance, qui est avec nous. Le sous-préfet à la relance. C'est à lui que je vais passer la parole maintenant. Et comme on sait protocolairement, on ne parle pas après le préfet. Je reviendrai quand même pour clôturer définitivement cette... Oui, ce sera juste le mot de revoir. Soirée. Ça sera juste au revoir au buffet. Nicolas Lefebvre, sous-préfet à la relance. C'est à vous, monsieur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les parlementaires, les présidents d'intercommunalité et les maires, monsieur le président du MEDEF, cher Henri de Monceau, je tiens à excuser le préfet, comme vous l'avez dit, hein, qui est retenu par ailleurs et que je représente ce soir pour célébrer les entreprises du territoire. Cette très belle cérémonie illustre une fois de plus la richesse de l'Essonne en matière d'entrepreneuriat, d'innovation et d'énergie. Elle illustre bien par la variété, tant dans les domaines que dans les projets et les localisations sur le département, et par le dynamisme des entreprises et entrepreneurs qui sont célébrés ce soir. Cela fait un an, ce qui me concerne, que je sillonne le département et je rencontre des pépites dans chaque recoin, et ce soir, j'en découvre encore. Et tout ça, c'est vraiment très enthousiasmant. Avant de vous dire donc quelques mots sur la relance, qui est le thème de la soirée, je tiens à remercier Monsieur le Président du MEDEF, Henri de Monceau, au nom de l'État, avec ses équipes également, pour son travail en faveur du territoire, des entreprises, des industries et des jeunes, avec tout l'engagement qu'on connaît dans l'apprentissage. À titre personnel, je tiens à vous remercier également pour la qualité et la richesse de nos échanges et la confiance mutuelle que nous avons créée dès mon arrivée et que nous avons pu perpétuer au fil des mois dans cette situation difficile qu'était la crise sanitaire et dans la relance économique. Je ne vais pas revenir sur le plan de relance et les mesures de soutien, puisque le secrétaire général au plan de relance en a dit quelques mots, mais je vais quand même dire quelques mots sur sa déclinaison territoriale en Essonne, qui va illustrer, elle aussi, la richesse du territoire. Je salue d'ailleurs les entreprises qui ont reçu des trophées ce soir et qui sont également bénéficiaires du plan de relance. Il y a eu une Anoé et juste avant, Senior Calorstat. Je vais parler de trois mesures, en particulier les mesures en faveur de l'industrie, les mesures en faveur des jeunes et les mesures en faveur du numérique. On a des chiffres excellents en Essonne sur le plan de relance. On a plus de 600 millions d'euros qui viennent s'ajouter aux 2 milliards d'euros de mesures de soutien. Et ces 600 millions d'euros, on a su les déployer en temps record. Le plan de relance a été annoncé en septembre 2020 et on est à un peu plus d'un an et on a déjà tant d'argent pour soutenir tant de projets sur le territoire. Le plan de relance, c'est donc des fonds de soutien à l'industrie. 75 millions d'euros en Essonne pour soutenir 55 projets. Dans plein de secteurs, l'aéronautique, l'électronique, la santé, les intrants essentiels à l'industrie. Et ce soutien, c'est à souligner, il est sur tout le territoire. Il n'est pas uniquement sur le plateau de Saclay. On a beaucoup d'entreprises naturellement innovantes, notamment dans le quantique, l'électronique. Mais il est également dans la partie rurale du territoire. On a de très belles entreprises à Milly-la-Forêt, à Méréville, à Étampes ou encore à Dourdan avec Senior Calorstat. Et également autour du pôle d'Evry, avec des entreprises du Génopôle, des entreprises de l'électronique, situé entre Évry et Corbeil. Toutes ces entreprises donc, ont reçu une aide de l'État pour créer des projets de relocalisation, pour renforcer leur compétitivité et pour créer de l'emploi. À côté de cela, on a également conduit une baisse pérenne des impôts de production
qui bénéficie à 12 000 entreprises du territoire pour près de 190 millions d'euros. Parmi les lauréats, certains ont été récompensés pour leur volet numérique. L'État a également soutenu cette numérisation avec 1500 chèques numériques qui ont été distribués plutôt à des commerçants, des TPE-PME du territoire, pour conduire leur numérisation. Enfin, le plan Un jeune, une solution a permis à 43 000 jeunes, c'est considérable, d'avoir une solution, que ce soit un apprentissage, un CDI ou un accompagnement, et de nombreuses entreprises, notamment industrielles, ont bénéficié de ce dispositif. Quelques mots sur les priorités économiques de l'État en Essonne au-delà du plan de relance. Bien sûr, poursuivre le rebond économique, mais aussi renforcer le lien jeunesse-entreprise. Et c'est une action commune qu'on mène avec les chambres consulaires, les organisations patronales et les fédérations professionnelles. Enfin, pour faire du développement économique, ce qui est très important, c'est l'attractivité du territoire. Il faut que nous renforcions nos mobilités, notre attractivité et également l'accompagnement des territoires. Le plan de relance a été une première réponse à la crise. Maintenant, d'autres dispositifs se mettent en œuvre, le PIA4, France 2030, pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, et également pour faire émerger les futurs champions technologiques de ce territoire. Face à cette crise sans précédent, l'État a mobilisé des moyens exceptionnels pour soutenir les entreprises et pour relancer l'économie. En Essonne, les services de l'État ont fait preuve d'un engagement sincère, réel et constant, notamment la DETS, qui s'appelait la DIRECT, que vous avez bien connue, pour instruire les demandes d'activité partielle, la DDFIP, les finances publiques, pour les demandes au titre du Fonds de solidarité. Cette épreuve, elle a renforcé le lien entre l'État et les entreprises, notamment via nos partenaires que sont les chambres consulaires, organisations patronales et fédérations professionnelles. Il convient désormais de le maintenir, de continuer à le renforcer et de poursuivre en confiance notre action en faveur de la croissance économique, de l'emploi et de la transition écologique. Pour conclure cette soirée, je vais reprendre le slogan de la cérémonie. Continuons et innovons, entreprenons ensemble pour la relance et au-delà. Merci beaucoup. Nicolas Lefebvre, sous-préfet à la relance. Merci beaucoup. Un petit mot pour celui qui a réalisé tous les films ce soir. Vous avez pu apprécier son travail. Philippe Pérez, qui est là-bas à la régie. J'en profite pour féliciter toutes les équipes techniques des Gâtines ici à Verrières-le-Buisson. Vraiment, quel outil de travail exceptionnel. Je voulais également saluer, comme chaque année, Corinne Bilbeau, qui, pour le MEDEF Essonne, fait un travail exceptionnel. Et puis, bien sûr, les deux. Alors, l'année dernière, venez, on va s'installer. L'année dernière, nous étions tous les trois sur un plateau de télévision et on avait fait en visio comme ça. Jean-Pierre Mougin, vice-président. Et exactement comme ça. On a pas changé, finalement. Avant le cocktail, un petit mot. Court, Henri. Merci. Merci à toi d'avoir... on connaît mes défauts. Hein. Et donc je vais être bref. Donc, qui en sont des qualités, d'ailleurs, au bout du compte. Je vais être bref. Je vais reprendre toutes les entreprises qui ont été citées ce soir, par ordre alphabétique, peut-être, ou inversé. Non, peut-être ça pas. Ça peut être bien. On va pas faire ça comme ça. Et merci à toi pour cette animation. Et merci aussi, Jean-Pierre Jouet, officiellement et chaleureusement et amicalement te remercier, parce que tu es le metteur en scène, le maître d'œuvre et le chef d'orchestre de cette organisation. C'est toi qui portes les 91 d'or sur tes épaules. Certes, il y a un copil qui t'aide, hein, qui te stimule, qui te critique, qui t'encourage aussi, mais c'est toi qui, depuis 3 ans, voire plus, mène la danse. Et encore une fois, merci. Ça me fait vraiment plaisir que ça soit ce soir une réussite. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Bon, on conclut. On conclut par une petite photo avant d'aller Oui, parce que vous en rêviez, il est là, le cocktail. Hein. Tout à fait. Mais une photo alors, avec qui? Avec tous les lauréats. Alors, les lauréats sont priés de descendre sur scène. Tous les lauréats, de préférence, avec le prix. Alors, nous sommes quand même obligés de garder le masque. Non, on n'est pas obligé de garder le masque, sinon on ne se reconnaîtra pas. Mais gardez bien vos distances. Merci encore à vous tous. Excellent cocktail, c'est un plaisir. À très bientôt pour la 30e cérémonie l'année prochaine des 91 d'or. Et bravo à tous les entrepreneurs de talent.